Et de retour sur Radio Sex. De retour les frères. Retour sur Radio Sex. On est avec Joker. Deuxième du 16e là. Prime Radio Zach. Sex, yes I. Joël et Côté Zouza, la moustache. Moustache. La moustache. Laisse-le tranquille. Bon, on a fait une petite pause, tranquille, on est de retour. Et on a eu un petit souci pendant l'émission, je vais laisser Zach en parler. Yes. Alors, on a regardé vos retours sur Twitter, etc. Bon, déjà, merci. Hein. Apparemment, tout va bien, tout se passe bien et on en est content. Apparemment, la troisième personne qui est passée avec l'histoire de « il a dormi avec sa meilleure pote », etc. serait une sorte de fake, mauvaise personne qui aurait déjà fait des dingueries sur Twitter, des trucs pas bien. On nous a prévenu en message. On peut pas vraiment faire un contrôle d'identité poussé, etc. Donc, on s'excuse et on se dédouane un peu. Si, il nous a eu, quoi. Voilà, on y peut rien. Quel cas c'était vrai, on y peut rien. On l'insulte. On l'insulte. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans Radio Sex, il y en a aussi une bonne. On va en profiter là tout de suite pour vous annoncer. Mois d'avril, ça va chauffer. Le mois d'avril, on vous l'a dit, on avait une bête. Notre invité de la semaine prochaine, du week-end prochain. Coup d'envoi 31 mars. Invité avec un E. Invité avec un E parce que vous voulez des filles. Ouais, et le mois d'avril, il n'y a rien d'une blague, encore une fois. Une fille de classe mondiale. Une fille de haute classe, de classe mondiale. Une star internationale, oui. Donc pour la première femme qu'on va ramener sur Radio Sex, on va ramener Enjoy Phoenix. À l'annoncer, voilà, à vous le dire, ça fera notre première invitée. Et il y aura la Radio Sex classique, etc. Bon, de chez nous cette fois-ci. Mais c'est l'émission, on vous a prévu un mois d'avril carré. Il y aura d'autres invités et vous verrez par vous-même. Voilà. Bon, là, je vois que tu galères. Ah, c'est à peu près tout. C'est de la merde. Oui, c'est à peu près tout, mais lui, il galère avec l'iPad. Qu'est-ce qu'il nous fait? Du coup, on aura Enjoy Phoenix la semaine prochaine et on aura aussi de très lourds invités pour le mois d'avril. Des tutos, tu sais, pour les soins du visage, tout ça. Mais là, elle vient pour parler de sexe. Non, mais on veut des soins du visage. Non, elle vient pour parler de sexe. Tu lui demandes pour avoir du sexe. Radio Sex, c'est Radio Sex. C'est pour avoir du sexe, faut être propre. Mais la crème spéciale. Si, t'as un visage gras, comment tu veux? La crème spéciale. N'oubliez pas aussi d'aller suivre nos comptes officiels de Radio Sex, Instagram, Twitter, Facebook, vous trouverez tout sur le Twitter de la Kameto Corp comme d'habitude. Allez follow tout ça et bon, on peut reprendre les gars. On pouvait rien faire. Bibi, t'es toujours avec nous? Toujours. Arrête de tousser toi. Vas-y Bibi. Prends la menthe ou un truc, arrête de tousser. En live mon frère, t'es devant toute la France, tu tousses. Vas-y, envoie nous le prochain Bibi. C'est bon, c'est fait. Bonsoir. Bonsoir. C'est le vigile. Ramène pas un fric comme l'autre fou là. Allô? Allô, tu nous entends? Allô? Elle a parlé il y a 2 minutes. Contrôle bien ta présélection. Ouais, fais attention à ta présélection, on est pas content là. T'inquiète, quelqu'un d'autre. Là, je vous le dis. Prends juste du sirop parce que ça va pas trop. On m'a dit que t'as toussé. T'es dans le mal. On m'a dit, t'es là. Allez-y. Oh, des petits bruits. Bonsoir. C'est un autre. Du coup. Ah, ok, le temps qu'on règle le premier problème, pas de soucis. Tu nous entends, frérot? Ouais, allô. Ouais, c'est bon. Bah, c'est bon, beau micro déjà. Micro HD. Ça fait plaisir. Ça va? C'est tout bon. Vas-y, présente-toi, frérot. Tu viens d'où? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Alors, moi, c'est Dayanito. J'ai 17 ans et je suis suisse. Ok. Je suis aux études. Il a l'air un peu stressé, un peu tendu. Détends-toi, frère. Tranquille, on est entre nous, mon pote. On est là. T'es avec nous, ça se passe. C'est sur Radio Sex. Ouais, t'as du bif. Les Suisses, de l'argent. Votre vie ne peut pas être trop stressante. Les Belges, vous êtes où? Laissez-le tranquille, voilà. Non, tranquille. Vas-y, explique-nous ton problème, pote. Alors, moi, mon histoire, elle commence à la rentrée. En fait, j'avais des vues sur une meuf de mon école. D'accord. On va dire, cette meuf, on va l'appeler la musicienne. D'accord. Le blaze me plaît. Glee, Kylie. Et cette meuf, elle est dans une classe, donc pas la mienne. Et dans cette classe, il y a une de mes potes. C'est une de mes potes de primaire. Ok, en fait. D'accord. Et donc, moi, j'ose pas trop aller vers la musicienne en fait, parce que je suis en méga timide dans la vie. Et du coup, un jour, je prends mes couilles à deux mains quand même. Tu te lances. Et, j'aime bien l'image du courage. C'est bon courage. Les deux. Je les ai pris comme ça. Ok, donc. Du coup, je vais lui parler et on sympathise et elle me rajoute sur Insta. Du coup, on commence à parler tout ça et on commence à sortir, on se voit, on se capte. Et un jour, elle me dit, ouais, pas chez moi, on se fait une petite soirée tranquille.
Tiens, Netflix and chill. J'adore ce genre de soirée. Les soirées tranquilles. Les soirées kill tranc. Pas tranquille, c'est kill tranc. La soirée chill. Doré, du coup, je suis allé chez elle. Dans un chalet Pardon. Dans un chalet, elle habite. Ah non, quand même pas, non. Ah, je croyais que les Suisses. Enfin, on n'est pas tous comme ça, on n'est pas tous comme ça. Là, on est la partie HLM. Tu sais que moi, j'étais en famille d'accueil quand j'étais petit en Suisse. Ah ouais? Ouais, dans un chalet. Vers où? Où ça? Dans le canton de Berne. Oh. Aïe, aïe, aïe. C'est stylé, mais. À Thun, Merligen, un village qui s'appelle Merligen à côté de Thun. Tu connais Thun? Moi, je connais le club de foot. C'est Thun. C'est Thun, ils sont nuls. Ils sont nuls. Dans ton album, tu racontes ta vie. Ouais, 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 excuse. C'était une parenthèse. Laisse-le tranquille. Ouais, c'est quoi, on parlait de nos meufs suisses là? Ouais, ah, non, je suis parti dans un truc. Tu nous en disant parler à la fin. Non, moi, il y a une Suisse, elle m'a brisé le cœur. Ah ouais? Ah ouais. Oh. Elles sont belles les Suisses, hein. Ouais, ouais, de ouf. C'est vrai. Ouais, en plus, elles payent elles-mêmes le TGV quand elles viennent en France. Elles livrent. Elles livrent. Elles font des livres aux sons. C'est le Colissimo. Amour impossible, c'est trop loin. Après, il se passe quoi, frérot? Pardon. Alors. Bah du coup je suis allé chez elle et ce qui devait arriver arriva. On n'est pas à Berne là. Alerte. On n'est pas à Thun. On n'est pas à Thun. C'est vraiment des noms de villes. Ouais, c'est. Ah ouais, l'eau. Zurich. Non, Zurich ça passe, tu vois. Mais Thun. On dirait il fait beau tout le temps à Zurich, tu vois. Ouais, Thun. Interlaken, tu connais Interlaken? Ouais, c'est vraiment la pire région de Suisse, par contre. Ouais, ouais, ouais. C'est là que j'ai grandi, mec, arrête. Il fait moche tout le temps, là. Non, la ville, c'est un nuage, gros. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe quand t'arrives chez elle? Ah bah, du coup, je la tartine. Okay. Ah ouais, c'est... Le petit nez. La transition. Allez, biscotte. Ah, bien. Ah, normal. Non, on a fait les choses bien, tranquille. Et du coup, voilà, j'ai fait la soirée comme ça, j'ai dormi chez elle, et après, on a continué à parler. D'accord. Mm-hmm. Et elle m'a invité à un de ses concerts, et ce concert-là, il se passait à Venise. Il faut savoir que cette meuf... Venise. En Italie. Il est bien, lui, frère. Avec les Mongols. Donc, ta meuf fait des tournées européennes. Elle a fait des concerts à Venise. À Venise, hein. Elle a fait un concert à Venise. Mais c'est Selena Gomez. C'est pour ça, les Suisses, elles sont stylées. Elle a des parents blindés, quoi. Vraiment. Ah. On y arrive. Ok, tranquille, hein. Extrêmement. Stylé. Extrêmement, il a dit. Ah ouais. C'est dangereux en Suisse. C'était un concert de quoi? C'était un concert de quoi à Venise? À Venise, pas... Tu finis à la MJC de choisir. Attends, c'est un concert de quoi à Venise? Violon. Oh. Violon, c'est... Ah ouais. L'instrument de riche. Mais est-ce que tu lui as dit que t'aimes pas tant que ça? Le violon. Il s'est mis à écouter du violon, lui. Moi, je me suis mis dans le bain. J'ai des petits morceaux de violon. Il est bon, lui. Il est bon, lui. Il a travaillé. Alors que si elle faisait du smurf, tu serais smurf. Il s'est adapté directement. Il s'est adapté à la meuf que tu veux. T'es chaud. Il a appris le violon, ce bâtard. Vas-y, ensuite, il se passe quoi? Vas-y, regardez l'inscription. Après, quand t'es parti au concert. Imagine. Du coup, ouais. En fait, elle m'a dit, ouais, viens à Venise, je te paye tout sur place. Tu te débrouilles juste pour le trajet. Et du coup, alors, pour le trajet, je suis parti avec ma pote de primaire et sa famille. Mais pourquoi les potes de primaire? Et sa famille. Et sa famille, c'est deux parents. Mais moi, j'étais une charge, toi. Mais pourquoi? Ouais, tous les Suisses, ils vont faire des concerts de violon. J'ai pas compris la transition, en fait. À quel moment tu vas avec ta meilleure pote et ses parents à Venise alors que t'es au concert de ta meuf? Pourquoi? J'ai peut-être raté un truc. Parce que t'es un mec bizarre. Il y avait une offre. Il a 17 ans, t'as 17 ans, c'est ça? Il avait une offre. C'est ça, ouais, exact. Et tu pouvais pas voyager tout seul? Ouais, et puis ma pote de primaire, en fait, c'est une pote de la meuf. Ah de la musicienne. Elle est dans sa classe. Ok. Comme ça, ligne. Le lien. Exact. Le lien vert. Ouais. Et du coup, sur le trajet, on s'arrête vers Domo pour manger. Domo arigato. Et on mange, et puis à la fin du repas, ses darons, ils décident de faire une petite pause, vous voyez, dans le voyage, tranquille, pour se reposer un peu. Et du coup, moi, je pars un peu avec la meuf, tu vois, on fait une petite sieste. Ok. Et puis, je l'ai tartiné aussi. Mais toi, t'es un destructeur, toi. Toi, frère. Tu peux nous rappeler ta ville, juste ta ville. T'es une cuillère, toi, t'es bon qu'à tartiner. Ah ouais, ouais, c'est quoi, ta ville? Ma ville. Oh, ou ta région, là? Le Valais. T'es dans le Valais.
On n'aurait pas le... le retour du boss du valet là. Le boss du valet, c'est lui. C'est le boss du valet, lui. Il a baisé sa meilleure pote avec sa, quand il y a sa famille à côté. Avec sa famille, il va en allant voir sa meuf à Venise. C'est vraiment le grand chelem. Le valet, ça s'appelle pas le... Par contre, t'es un bâtard, qu'on soit bien d'accord. Non, t'es une cuillère. T'es un chien, faut que tu le saches. Ah, parce que ça a commencé bien, le truc de la musicienne et tout. C'était mignon. Ouais, c'était mignon, ça part en couille. Le violoncelle. C'était sur un coup de tête. Ah, ça va, c'est bon alors. C'est bon. C'était sur un coup, coup de tête. Ah, bon, bah. T'es le boss, mec. Non, c'était, mais c'était sur le moment. Ah, mais non, ça va, chaud. C'était sur le moment. Un coup de tête, ça arrive, hein. Non, ça arrive à tout le monde. Moi aussi, j'ai un coup de tête, allez hop. J'ai un coup de tête, allez hop. Arrête. Un coup de tête. Non, mais ouais, non, tranquille. Tu fais ce que tu fais ta vie, quoi. T'as 17 ans, t'as raison. Mais attention. Il tira vite. Attends, ils avaient pas fini l'histoire. Ah, t'inquiète. Ouais, vois ton histoire, ouais. Ben du coup, après on continue le voyage, on arrive à Venise, on va regarder le concert, c'était bien, franchement c'était bien, j'ai kiffé. Et puis on est resté, on est resté 3 jours là-bas sur place. Et puis après on est rentré en Suisse. Et en rentrant en Suisse, moi j'ai gardé contact avec la musicienne, j'ai continué à lui parler tout ça. Et elle voulait qu'on se mette ensemble, ouais, parce qu'on s'était vraiment beaucoup rapprochés. Okay. Donc on s'est mis ensemble. Et cette semaine, donc vendredi soir, je suis allé chez elle, j'ai été dormir chez elle. Et là, c'était un chalet. Non, en fait, on a fait une petite soirée tranquille juste pour se voir. C'est bien les petites soirées tranquilles. Tranquille. Après, t'as 3/4 soirée tranquille. Moi aussi, je vais faire des soirées tranquilles bientôt. Ah ouais, ça a l'air pas mal, hein. Non, cette fois, c'était vraiment que tranquille. Ça va, du coup. Pas de coup de tête. Là, c'est des soirées que tranquilles aussi. Tranquille. Vraiment, c'est l'homme le plus tranquille du monde. Mais tranquille, on est comme ça les Suisses, on est toujours tranquille. Ouais, et dans cette soirée que tranquille, il s'est passé quoi? C'est où, c'est un clocher, c'est quand? Rien, on a vraiment passé du temps ensemble, on s'est regardé des petits trucs et puis après on a été dormir, tranquille. Okay. Bon. Et puis le lendemain matin, elle me dit ouais, viens Jérém, j'ai envie de te... Oh putain, je suis en fist-up, j'ai dit mon prénom. Tranquille, mec. Et c'est la bouteille dans la tête. Jérém du Valais, Jérém du Valais. Ah ouais, en plus, il a donné trop d'infos, là. Bon bah, rip. Ok, Jérém. T'es fou, il est terminé. Ravi de rencontrer, hein. Ah, là, en plus, t'as fait des trucs bizarres juste avant. C'est tombé. Eh hey, gros. Tire un coup de tête, sur un coup de tête. Encore une fois, c'est un coup de tête. Oh là là. Ok, Alphonse, il s'est passé quoi après? Du coup, elle me dit, ouais, viens, on va parler. Je vais rentrer dans un buisson comme Homer Simpson. Donc, quel saut je me suis mis. Et elle me dit, alors je dois te dire un truc, c'est que ma famille et moi, on va déménager en Angleterre. Et ah ouais là, ah quand même, ah quand même. British. Ah c'est... Ça taffe. C'est brutal quand même. La cour ah bah la ouais, hein. D'un coup comme ça, c'est loin en plus. Mais comment ça, l'Angleterre? Écoute, famille blindée, c'est pas elle qui a décidé, je pense, et puis... Je sais pas pourquoi en fait, parce que je l'ai pas demandé, je suis parti après, parce que ça m'a saoulé en fait. Ouais, bien sûr, normal. Et puis, du coup, mon problème c'est, est-ce que je dois rester avec elle et avoir une relation à distance, ou la quitter maintenant, vu que ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, on est ensemble depuis 3 mois, depuis les vacances de Noël. D'accord. Ouais. Et voilà, c'est ça mon dilemme. Déjà, la première question, est-ce que financièrement tu peux assumer des trajets aussi longs? Non. Je fais études. Faut que tu signes un contrat avec sa famille alors. Ah ouais, mais là déjà t'as un problème. Tu parce que comment tu vas être le valet du valet. Si régulièrement. Fais-toi défrayer, hein. T'es vous. Oh ouais, comme dans les structuristes. Je te jure, hein, faut que tu parles à sa famille là. demande l'hôtel et. Tu leur dis c'est là. Le déplacement. Et le déplacement. Ah mais t'as comme en tant que cuillère que tu es, t'as tartiné sa copine déjà. Oui. Elle lui nous demande de penser, tu peux même faire un truc à distance. Mais elle devient quoi sa copine? Ouais, l'info. Parce que t'en as parlé après. En fait, j'ai pas de sentiment pour cette meuf. C'était vraiment, il y avait pas de sentiment. Ah, c'était un coup de tête. Après les sentiments avec l'autre, c'était tellement de sentiments que t'as baisé sa pote. Comme j'ai dit avant, un coup de tête. Ah, le coup de tête. Excusez. Et le tranquille. Au calme. Le fameux coup de tête. On a tous droit à des coups de tête. Après, des coups de tête de bite, c'est autre chose. Des coups de casque.
Bon, du coup. Je pense que t'as des problèmes. Ah ouais, bah, du coup. Bah, écoute, du coup, frère, moi, je pense que t'es pas prêt pour une relation à distance, hein. T'étais déjà avec ta meuf, rien que le fait de faire la distance Suisse-Venise, tu l'as trompé. Donc, ouais, sur le voyage. Il y avait 400 km, hein, faut le savoir. Hein. Lui, il a pas tenu. Non, mais surtout, t'es pas avec elle. Pour moi, t'es pas prêt à faire une relation à distance. En plus, t'es venu avec tout le canton. Bah ouais, non, mais juste pour la Venise, t'as pris tout. Surtout qu'il a 17 ans, en fait. Il a tartiné. 17 ans, c'est la plus difficile. Il a dit venez. T'as tartiné tout le monde. L'info va remonter et après voilà. Tu vas avoir payé des billets de train pour rien. C'est de l'argent. Bah ouais. C'est de l'argent. Quand t'as des est-ce que toi tu te sens prêt à assumer un truc à distance alors que t'as pas déjà pu tenir ta bite alors qu'elle est à côté? Bah ouais, parce que déjà en plus t'as le voyage, t'as l'attente, t'as le prix des billets, t'as le prix des R machin. Tu vois ce que je veux dire? On voit qu'on prépare des choses. Le prix de Disney. Ah ouais, le prix des. Y'a pas Disney en Angleterre? Non, y'a pas. Ah, c'est chaud. Tu vois, mais t'as trop de charges. C'est mort, tu peux pas. Ouais, te casse pas la tête. Surtout, t'es jeune. Surtout, les Suisses, elles sont fraîches là, arrête ton truc. Et surtout, le pire, tu vois, c'est pas petite distance, toi, c'est Eucross, c'est entre pays. Genre, tu la gardes, des pays différents. Tu la gardes et vous faites l'amour par FaceTime. Ouais. 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 Ils s'en foutent dans l'hôtel et tout. Vous baisez en FaceTime. Sex cam. Ah mon gars, c'est relation à distance. Des fois quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein. Ouais. Aujourd'hui, en 2019, relation à distance, c'est amour FaceTime. En VR. Ouais. C'est quoi comment ça faire l'amour en FaceTime? Chibrax. Ah, tu mets amour en FaceTime. Chibrax. Ouais, ça se passe comment l'amour en FaceTime? FaceTime. Ça se passe comment? Entre nous. Tu te mets sur FaceTime. Ouais. Tu baisses ton FaceTime. Côté il dit non. Côté que non, arrête. Non, FaceTime. Moi je dis FaceTime. Ah, j'ai dit montre pas. Non, j'ai vu ça sur le téléphone. Vous FaceTimez. C'est ce qui se passe sur FaceTime. Après, sur FaceTime. Moi, je voulais un rapport parce que je ne voyais pas. Mais une relation à distance. Ouais. Avant, les relations à distance, c'était quoi? C'était s'envoyer des courriers. Ouais. Des lettres. Des lettres. Après, une époque, c'était quoi? Après, c'était des courriels. Des mails. Des trucs. Maintenant, relation à distance, c'est quoi? Quand tu veux parler avec quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, c'est ça. FaceTime. Ah ouais. Ouais, mais maintenant c'est encore plus simple d'avoir une relation à distance avec les prix des trucs. Ouais, grave, les prix, il y a des bons prix, il y a des bons prix abordables. Ouais, ouais, mais lui, il est suisse. Ils ont pas les mêmes temps. Ouais, si, c'est vrai, c'est galère. Ouais, je te rappelle, il doit prendre l'avion. Le problème après, c'est qu'à 17 ans, faire une relation à distance entre des pays, c'est chaud. Et je suis aux études en fait, c'est ça mon problème. Ouais, il a l'école. T'es en études et tu vas pas pouvoir y aller si souvent que ça, donc c'est pour l'avoir qu'une fois par mois. Moi, personnellement. Fais des études en Angleterre. Ouais. 17 ans, 3 mois. C'est ouais, peut-être non. Le moment. T'es jeune, t'es trop jeune pour te mettre dans un bourbier comme ça. Ouais, hey, t'es dans un pays, là, viens la meuf, mon frère. Ouais, ouais voilà. En plus, vrai, elle paye tout. Faut profiter. Ouais, oui. Non, vraiment, ouais. Là, c'est chaud, t'as que 17 ans. T'as trop de charges financières, t'as le voyage, tu parles pas à la voir tout le temps. Même moi, nous, on est des darons, des meufs comme des plans comme ça, c'est galère. En plus, lui, c'est qu'il était médecin, il est pas fou amoureux non plus. Ouais, il est là, tranquille. Go, tranquille. Te prends pas la tête. Ouais, t'as pas de moment, je pense. Ah ouais, moi je pense que tu devrais ne pas casser la tête, ne pas la faire souffrir et toi ne pas te casser les couilles avec ça. Ouais. Et tu ne pas la faire souffrir parce que je suis sûr et certain que t'aurais papillonné. Ouais. C'est sûr, il a papillonné. Ah ouais, en plus t'es un petit loubard, tu gères des meufs à gauche à droite là. Qu'est-ce que tu prends la tête avec une mec qui se barre en Angleterre? En plus, elle va en Angleterre, c'est cher la vie là-bas, gros. Ouais, c'est cher. Moins cher que la Suisse, je pense. T'as pas les épaules, je pense aussi. Ouais, prends des petites Suisses. On est Suisse. Nous, on s'en vit ici, nous, en France. Nous, en France, on rêve des Suisses. Faut investir sur le cours de la Suissesse. Voilà, tu vois. C'est comme l'or. Tu places tes thunes dessus, ça perd jamais en valeur. Ouais, non, la Suisse, ça perd pas. Elle tourne autour du lac de Thun. Tourne autour du lac de Thun. Bizarrement, je suis sûr qu'à Thun, c'est le seul endroit de... Je suis sûr que le lac de Thun, c'est le seul endroit de Suisse où les meufs, elles se grattent les couilles. Non, il y a la meuf à Thun, non. Ça respecte pas Thun. Si, j'étais petit. Quand j'étais petit, je partais à Thun. Ouais. Si, la zone est quadrillée comme jamais. Non, c'est mes premières érections et tout à tout. Autour du lac, des filles en bikini. Arrête de dire ça, toi. Tu parles mal de tout. Ah ouais. Grosse dédicace à Merligen. À tout le village de Merligen, Gunton. Non, mais là, sérieux, te prends pas la tête. Allez, t'as 17 ans. T'as 17 ans, ouais, c'est ça. Ouais, en plus, t'es bien Suisse. Hey, ils sont, vous êtes pas, ils sont pas dans l'Union Européenne, c'est-à-dire le billet sera plus cher, t'auras peut-être, je sais pas, vous avez besoin d'un visa, non, ils ont pas besoin de visa pour l'Angleterre. Je sais pas. Ouais. Non, pas besoin de visa. Si bientôt, je crois, il y a un truc de Brexit. Non, il va avoir le Brexit, mais il y aura pas de soucis. En plus, l'avantage de quand tu rentres en Suisse en voiture, c'est que tu te manges pas les taxes de l'Europe, donc t'as le même tarif que quand tu fais France-États-Unis. Ouais, mais lui, donc tes clopes, elles te coûtent. Ouais, mais bon, ça reste pété. Franchement, ça reste pété. C'est Waze ou c'est Zach? Voilà, c'est Radio Voyage, laisse-le tranquille. Tu pars en voiture, t'achètes des clopes, tu veux qu'il est taxe. Je comprends rien, laisse-moi tranquille. J'ai rien compris. Radio évasion fiscale. Je veux juste voir sa meuf, c'est tout. Hein.
Ouais, non, moi, je te parle les couilles, du duty free, moi. Ah ouais, il est chaud. Non, bah ouais, en vrai, ouais, alors, en vrai pense à toi, frérot. Ouais. Non, mais c'est vrai, en Suisse, il y, y a des femmes très très belles. Comme Astrid Nelsia. Merci Alex Le Piéton de me l'avoir rappelé. Alex Le Piéton. Elle est fraîche, hein. Ça va, en Suisse. Ok, frérot. C'est bon, calme-toi. Elle est suisse. Il envoie des la main dans le Falzac. Bon, bah vas-y, frérot, on te souhaite une bonne soirée et, ouais, et bon courage à toi. Et te prends pas la tête pour des filles sur toi, ton âge, concentre-toi sur tes études, frère. Et tu veux faire des dédicaces du coup? Évite de tromper les prochaines. Ouais, bah vas-y. Vas-y, ben dédicace à tout VDGN, la morsure à KRK1 sur SoundCloud, le Meniacio. Dédicace à la torpille, la cisaille, la mallette, la fenêtre. La mallette. Dédicace à la fenêtre. Oh, bah c'est bon, avec la... une mallette, c'est une place. La mallette. Dédicace à la EC33, à la CG31. Wesh. Et dédicace à Yass. Dédicace des avions là, c'est quoi ça? Dédicace à Yass, c'est des Boeing. Yass, c'est sa calve ici. Non, mais là, il est en train de dédicacer des commandos là. Il parle en morse, ça. C'est... Dédicace à GS37. Dédicace à Yass, c'est sa calve ici. Dédicace au GIPN. Vas-y, salut frérot. Toutes les sections. Dédicace à Patrick Ademo. Ah, la calve. Oui, oui. La calve de Yass, tu nous manques. L'étudiant le plus riche de France. L'étudiant le plus riche de France. Ah, il nous regarde avec sa télé 4K ce soir. Avec sa télé 4K et. Et ses pantoufles. Et ses pantoufles en cuir. Ah, vous rigolez, Yass, il pèse, hein. Mon gars, Yass, il pèse. Ah, Yass, il pèse. Ouais, il regarde la fille, il rigole. Des pieds, genre. Ah, il pèse, hein. Avec ses pantoufles. Ah ouais, il a mis tout l'argent du Crous dedans. Ouais, non, mais vraiment, c'est l'étudiant le plus gros patrimoine ouais, d'Angers. Ouais, il est blindé, cet enfoiré. Le faire. Bon, vas-y, Bibi, suivant, mon pote. Let's go. Bonsoir. Au suivant. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Salut. Ah, salut. 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 Tiens, ça, tiens. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens. Ça va ou quoi? Non, je rigole. Ouais, ça va et vous? Tranquille, ça va, on est là, tranquille. Ah, ok, aucun problème. Ok, bah ça m'a perturbé. Vas-y, présente-toi. Bah, t'en fous peu, toi. Non, mais c'est parce que c'est le son. Ah ouais, c'est ça. Tu l'entends que ça le bat. Tu as des problèmes, toi. Tiens, t'as pas. Non, je rigole, gros. Tu dis que tu rigoles. Vas-y, présente-toi. Tu viens d'où? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Il est mort de rire. Je suis en train de bousiller. Je suis Ouais, je parle là. C'était les mecs qui étaient sur sa tête. Non, puis c'est faux, on a dit qu'on rajoutait un quart d'heure vu qu'on avait été en retard. Ah ouais, j'avoue. Ok. Bon, on a le time. Pas dire ça à cause de qui? C'est lui qui l'a dit. On accélère, on va en parler. Ah, si tu veux pas te présenter, dis-nous. Je fais que des fois des barrages. Je peux me présenter là, non? Ouais. Allez. Non. Ok, c'est parti. Du coup, même pas de détails. Hein. Je suis ouais, d'accord. Je suis étudiante, j'ai 19 ans et c'est tout ce qu'il faut savoir. Parfait. Ok. Bah, du coup, mon problème, ça va être que j'étais en couple pendant 2 mois avec un gars. Et il y a 2 semaines, je me suis dit qu'il fallait que ça s'arrête. D'accord, ok. Du coup, le week-end, juste avant de le quitter... j'ai commencé à chercher un petit peu d'autres bails. Parce que ça faisait 2 semaines, il m'avait pas touché. Et moi j'avais faim. Okay. D'accord, un français limpide. Donc, ouais, tranquille. Bah, ouais, j'ai remarqué y a beaucoup de mecs qui dorment. Continue, y a pas de soucis. Du coup, je reprends Tinder, je commence à chatcher 2-3 gars, je relance un gars qui était venu me parler sur Insta. Je reprends. D'accord. C'est le sport. Je reprends. C'est là, je reprends Tinder. T'es revenu sur le marché des transferts. Ouais. Dans le mercato. Ouais, on peut dire ça comme ça. Si, si. Mais du coup. Vas-y, continue. Il y avait un gars qui était venu me parler sur Insta, je l'ai relancé et le mec a été archi vif. Et il était putain de beau. Et dans la semaine, on s'est fixé un rendez-vous. D'accord. Okay. Mais t'étais encore avec ton ancien gars pendant ce temps-là? Non, non. Si, si, non, si. Non, entre-temps, je l'ai largué. Ah, alors, ouais, on suit. Ah. Alors, on l'a suivi. Tu préparais juste tes nuggets pour ton retour sur le marché des transferts. Oh non, je l'avais largué. D'accord. Du coup, le mec, on devait baiser, voilà. Ok. Le jour J, je me prépare, machin, je me fais belle. J'avais 40 minutes de transport à faire. J'arrive, il m'indique où est-ce que c'est. D'accord. Mmh. J'avais archi hâte. Ah, ça parce que, comme j'ai dit, il était putain de beau. Ça ouais, bien sûr. Et toi, t'avais très envie. Il y a de l'ouvre, Edmond. Ça sent le drap, là. Ça sent le banger. Tu vis bien. Vraiment. Tu vis un peu ce que ça fait. Ça sent les filtres, là. Je sais pas, il y a jamais de femme qui a dit ça de moi. Non, plus sérieusement, vas-y. Bah, j'arrive. Il m'ouvre la porte. Et là, je vois un mec archi laid.
Mais vraiment, je crois que ce produit laitier. Attends, genre vraiment, c'était une arnaque complète. C'était une giga arnaque, j'avais jamais été arnaqué comme ça. Genre, il est passé de combien sur 10 ? Il est passé de combien à combien ? En plus, attends, c'est pour ça que t'as précisé qu'il y avait 45 minutes de transport. Ouais. Bah, elle a fait du chemin. Non, genre, il est passé de combien sur 10 à combien sur 10 ? Elle avait hâte en plus. Je pense de 8 à 3. Il était bien en l'air. Mais ah ouais. Mais c'était quoi Tu penses que c'était les angles de photos C'était ça. C'était les angles, les filtres. C'est manger un aéro. C'était pas les filtres. C'était en mode les stratagèmes du bonnet, le col roulé, tout ça machin. Ouais, okay. Et en fait. Et toi, t'es arrivé, c'était Patrick Ademo, genre. Il ressemble à Yass. Allez, va ta wesh. Ah ouais. Allez, je rigole. Toi, t'as dû te mettre trop belle. En plus, quand tu dis trop belle, tu l'as pas dit, mais t'as dû mettre full lingerie et compagnie. T'es arrivé, le mec, il ressemblait à une brique de lait. Il ressemblait à et t'as réagi comment, du coup? Ouais. Il s'est passé quoi, après? En fait, j'ai essayé de me contenir. Je pense à la rigole. Parce que j'avais vraiment faim. J'avais vraiment envie de baiser. Okay. Ah ouais, c'était mon objectif premier. Ah ouais, bah t'es comme moi. Elle est passée à Catwoman. Mon objectif premier. C'est ça. Comme toi. elle est pas terrible, tu dis bon. Vaillant. Vas-y, on met la gilet pare-balles, on flingue. J'ai pas fait tout chemin. Ouais, frère. 45 minutes de tranquillisation. Mais non, mais bien, ça se comprend totalement. Non, t'as raison, y a pas de problème. Donc au final, j'ai essayé de me contenir. Je lui dis, vas-y, je finisse ma clope parce que faut que je réfléchisse. Parce que c'est chaud. Et... Ah, fallait prendre une décision. Fallait une dose de courage et de nicotine. Exactement. Après ma clope, je me dis, c'est bon, j'y vais. ça se allait pas match, bien. Mais c'est le bac. Il baisse bien. Ok. Ouais. Et du coup, ça commence à se chauffer, tu vois. Vas-y, il était archi maladroit. Aïe. Il était super maladroit, on aurait dit un puceau. Ça me dérange pas, mais faut que je sois prévenu et je fais pas 45 minutes pour baiser avec un puceau. Il est puceau, c'est pas très bien vu. Hein. Elle a fixé ses priorités. Pas 45 minutes. Non, mais ça se comprend totalement. Elle a des attentes. Le seuil de rentabilité. Là, tu pues la merde là, c'est normal, elle s'énerve. Il faut un ROI. Je suis d'accord. Vas-y. Fantanous. Tu te rappelles quand le mec il a dit ouais. Laisse-la rater. Fantanous. C'est à toi. Allez. Ok. Donc il était super maladroit. Je lui demande s'il était puceau. Enfin, je vais pas demander comme ça. Je sais pas. Ouais, t'as essayé de le faire sous-entendre. Exactement. Il me fait comprendre que non. C'est bon, j'y vais. Et du coup, on se retrouve sur un matelas. Et je commence à le sucer. Comme par magie. Et au bout de 2-3 minutes, je rigole même pas, 2-3 minutes, il commence à convulser, à avoir Non, mais il convulsait tellement c'était. Ah, ça se trouve, t'es forte, hein. Attends, elle fait convulser, les gars. Ça se trouve, convulser. Elle était comme ça. Elle a des mains trop fortes. Tu lui envoyais des décharges électriques. T'es en train de le sucer, lui. T'es comme ça. Il voulait pas la défendre. J'ai genre des pistes. C'est sérieux. Il a une chance. Non, ça, c'est l'histoire de bonbons à la menthe, en gros. Je te jure. Non, mais propre, ça veut dire que t'es très très forte, et donc... Ouais. Bah, du coup, je me suis inquiété. Ah ouais, à ce point. Il va peut-être rendre l'âme, mon sexe, dans... Ouais. Son sexe dans ma bouche. Ouais, c'est Qu'est-ce ça. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, bah, je lui dis d'arrêter. Enfin, c'est bon, on va passer aux choses sérieuses. C'est quoi, les choses sérieuses? Une pénétration, frère. Voilà. C'est juste que là, jusqu'ici, j'avais. Pénétration, frère. C'est la boule. Dans un truc, c'est la boule. Elle vient de griller. On va la remettre. Elle vient de la boule au sud. Et donc, pénétration. Du coup, je me mets en amateur sur lui. Ok. On avait pris une capote entre temps, évidemment, parce que c'est important de se protéger. Et. Toujours la carte vitale et le gilet pare-balles. Et du coup, j'étais en Amazon. Et c'est ma position préférée. Du coup, genre, je me disais, ça, vas-y, il peut pas louper ça. Et du coup, je commence à rebondir sur lui. Et Attends, tu lui as fait la position d'Amazon. C'est nul, Amazon. Alors que en 3 minutes, il est en train de convulser. Parce que tu le sais. Ouais. Mais tu veux le tuer. T'es une criminelle. Ouais. Il avait un rythme cardiaque fragile. Ah, tu l'as pas aidé, hein. C'était un combat pour lui. Ouais, je crois aussi, parce que du coup, en fait,
au bout d'un peu de temps, je sais pas, une, deux minutes, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc tout mou dans ma chatte. Et c'était sa queue, en fait. Il avait débandé, en fait. Oh, oh le nula. Ah, donc t'es... Ah ouais, ça cause des mecs comme ça, les meufs sur Twitter, donc, parle mal. C'est-à-dire que t'étais genre en train de faire... Hein non, t'étais en train de faire ta position, au bout de 2-3 minutes, tu sentais plus rien, et en fait, il avait complètement débandé. Ouais. Ah ouais, ah ouais. T'es sûr que c'était lui l'arnaque? Non, je rigole. Ah ouais, je veux te titer. C'est vrai, c'est bizarre. Ah, ça se trouve, c'était toi qui est grave moche. Si t'es une vraie Amazon, normalement. Non, arrête, t'es pas venu pour te ravaler comme ça, t'inquiète, je rigole. Mais. Non, si t'es une vraie Amazon, normalement. Mais surtout, le mec était stressé. Ouais, vous avez raison, j'avais jamais été stressé avec une meuf. Quelqu'un, c'est quoi la position d'Amazon? C'est quoi la meuf, elle se met dessus, ouais, ouais, dessus, mais c'est nul un peu, jambes, là. C'est ça, si t'imagines le poteau, il est à 3 minutes et déjà en train de convulser, c'est pas possible. Ouais, c'est bizarre. Non, mais s'il débande. Mais comment tu peux déborder dans cette position? Ah ouais, c'est chaud. Je pense qu'il a juste craché, il a rien dit. Ouais, peut-être. Moi, je pense qu'il a craché, il a rien dit. Des fois, je suis comme ça et tout, j'attends que... C'est énervé. Ah, moi je sais pas. Après, là, elle fait des. Ça fait comment déjà le truc en muscu? Il y en a qui ride. Ah, mais t'es sûr qu'il a fait jambier? Il est en train de faire jambier, c'est bizarre lui. Ouais, ouais, tu veux défendre sur what? Ah, si, c'est impossible de débander, non? Ah, ouais, toi t'es bien, t'as pas eu de chance. Non, mais il a raison, Prime. Non, j'ai pas eu de chance. Et il a réagi comment à ce moment-là? Mais justement, en fait, quand je le regardais, pour lui, il y avait aucun problème. Ah, il débordait normal, tiens, pas de soucis. Tiens, t'as 10 cm. Tranquille, quand même. Calme. Mais il a débordé ou il avait une petite bite? C'est pas pareil, hein. Non, il avait totalement débandé. Moi, j'étais en panique parce que je me disais, frère, enfin, c'est pas normal. Et du coup, bah, je me suis retirée et. J'étais parti fumer une clope. Ah, t'es parti feu pour réfléchir. Et t'es enlevé du coup et t'as. Elle s'est retirée. Ouais, c'est grand chose, elle est partie. Elle est partie bouder. Quel échec. Merde. Non mais du coup, j'avais été insatisfaite sur ce côté-là, mais je me suis dit, c'est pas grave, on va essayer de tenter autre chose. Du coup, je le rebranle pour qu'il redurcisse. Pour relancer la machine. Il l'a vu rentrer, ouais. Il dit attends, c'est reparti. Quand tu l'as branlé, il a même tué. Il a convulsé. Il a rebandé après. Oh bah, oui, il a rebandé. Il a rebandé. Et vous avez fait quoi à ce moment-là? Justement, bah, on a changé de position du coup, puisque bah, c'était nul. C'était pas concluant la dernière fois, ouais. Mm. Ouais, voilà. Et ouais, j'ai oublié de préciser, il avait une petite bite. Ah. Et ouais, tu vas lâcher son blaze à la fin pour le tuer. Une arnaque, il est moche, petite bite, il a rien pour lui. Rien dans le compte bancaire. C'est un loser, il va même pas te chercher rien. Bâtard. C'est un piéton. Les mecs, j'ai rien contre vous. On se calme. Là, ça me regarde mal là. J'allais finir tout nu à la fin. J'allais m'agresser. Je rigole, j'ai rien contre les piétons. Là, t'es en minorité là. Ouais, là, j'ai chaud. Ils vont casser ma voiture. On a le droit de valider Alex. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vous avez repris quelle position? Du coup, il a décidé de partir en levrette. Sauf que, bah, vu qu'il avait un petit zizi et qu'il n'était pas très doué avec, bah, je sentais rien. Et moi, je voyais... Ouais, donne-nous des centimètres. Ouais, c'est... Non, mais c'est pas ce que tu crois. Mais on veut des... Dis-nous tout. Voilà, on veut savoir ce qu'on a un petit... En vrai, c'était un peu plus. Ouais, je sais pas, entre 5 et 10, tu vois. Genre, c'est pas beaucoup, tu vois. Vraiment. C'était un collégien. Ouais. Il était circoncis ou pas? La moitié, tiens. Il était rasé. Non, mais ça compte, je sais pourquoi. Il était rasé ou pas? Comment ça compte, je sais pourquoi. En gros, quand t'es... T'as hâte, tu vois, quand t'as... Quand t'es circoncis, pardon. T'as un plus gros gland, donc ceux qui ont une petite peuvent compenser par ça. Ah ouais, mais c'était pas son cas. Ah ouais, tout le monde. C'est l'instant docteur sexe. Ah ouais, ça va. Ah ouais, dès là, t'as un gros gland, c'est top dans Mario Kart. T'auras un point qui va changer de circoncis. Vas-y, tu peux reprendre. Sacré aparté. Ok. Du coup, bah, on était en levrette et je voyais juste le mur avancer et reculer et je sentais rien du tout. Oh, c'est horrible.
Et du coup, j'ai grave pris du recul sur la situation. Genre, elle est en train de réfléchir en l'ouvrette. Elle était comme ça. Elle se faisait bouger, elle était là. Est-ce que j'ai vraiment fait 45 minutes pour ça. Le mec, il donnait tout. Elle réfléchissait. Table basse qui secoue comme ça. Elle était là. Elle était comme ça. Et donc, à un moment, est-ce que tu t'es retiré? T'as dit, ouais, chacal, c'est pas possible. T'as dit, ouais, frère, tu commences quand là? T'es mort. Ouais, c'est. Non, bah, ouais, c'était. Je dis ouais, il faut que je trouve une solution parce que je suis quand même venu ici pour quelque chose, il faut qu'il me donne du plaisir parce que sinon ça va pas le faire. Et du coup, on a encore changé de position. On a été missionnaire. Ah ouais, jusqu'au bout. Ouais, non, moi je suis pas. Voilà. Ah, vous voulez rentabiliser, normalement, hein. Missionnaire jambes levées. Et t'as pas essayé le cunnilingus? Ah, il est hors de question qu'il s'approche de moi comme ça. Parce que parce qu'il est moche. Ah ok, le mec, ah, ça te fait quelque chose. Il va mettre des coups de trop dans sa chatte là. Ah, il était en gros, en fait, parce que nous on est des mecs, tu vois pas. Mais pour une fille, un mec il lui plaît pas. En gros, physiquement. Même une meuf elle te plaît pas physiquement quand ça chauffe, t'es. Non, parce qu'une meuf elle te plaît pas physiquement, au pire elle peut te faire une fellation, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Après, non, genre dans le feu de l'action, mais genre un cunilingus c'est pas pareil, c'est ce que tu veux dire en fait. Ouais, mais c'est pas la même chose. Et puis, l'initiative de le faire, ce qu'il a absolument pas fait, je l'ai pas eu envie de le tenter, tu vois. C'est quoi le problème en fait? Hein, attends, laisse la raconter. Ah ouais. Non, parce que vu que tu prenais pas de plaisir avec lui pénétration, c'était vraiment... je sais pas, tu vois. Ouais, du coup, en missionnaire, c'était pas mieux parce que du coup, il me repoussait vraiment et il était juste en face, sa gueule était juste en face de moi. Je regardais. Avec les je regardais plafond, tu vois. Ah ouais, genre même missionnaire, jambes levées, il y avait rien, c'est vraiment que t'as pas le mot. Elle a dit, ouais, chaud. Parce que missionnaire, jambes levées, normalement, c'est. Game over. Ouais, non, comment il a fait ça avec sa veste? C'était un peu mieux, mais, tu vois. Mais ça, t'as pas pensé à quelqu'un d'autre? Ça nous est déjà tous arrivé ça m'est arrivé une fois. C'est en train de démarrer une meuf. Après, la meuf, elle faisait nimp. Ouais, tu penses à quelqu'un d'autre. J'ai fait une foule dans mon cerveau. J'ai fait un truc comme elle. Ah ouais, ouais, j'ai changé son visage. Tu vois, attends, j'ai fait fou, j'ai pensé à une autre meuf. Et là, ça passait un peu mieux. Ça passait mieux. Ouais, c'est vrai, ça arrive des fois. Tu sais, je fermais les yeux et. Des fois ça arrive, des fois. Tu penses à quelqu'un d'autre. C'est ouais, triste, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est triste, genre, mais des fois quand c'est nul, tu penses à quelqu'un d'autre. Tu dis, vas-y, c'est pas elle. C'est quand t'as la dalle, tu vas prendre n'importe qui. Bah, je pense que c'est quand t'es pas amoureux aussi. Ouais. Tu veux juste. Docteur Love. Docteur Love. Non, Docteur Love, toujours les bons mots. Toujours les bons mots. Et donc, bon, vu que c'était à peine mieux. Ouais. Ouais, vu que c'était vraiment pas ouf et qu'il commençait à suer. Bah, je me suis dit que. Il était sur toi. Il a rien de merde, fallait le faire finir. Mais lui, c'est un loser. Il a pas de chance. Quel match. Oh, ouais, il a la non. chance et il y a lui. Mais du coup, je me suis dit qu'il fallait que je simule et que je me. Quoi. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Globalement. Okay. Parce que, aussi, il a eu des remarques trop bizarres et c'était un giga beauf en fait. Genre sur comment les remarques? Il dit quoi? Oh, j'ai pété le cul là! Tu l'aimes bien ce chibrat! Oh mon dieu, putain! Je m'y attendais pas, putain. C'était quoi genre les remarques? Ouais, t'as un exemple de remarques. On peut rigoler. Bah, en gros, il s'est penché à mon oreille et il a crié un truc. Il a crié un truc genre. J'espère que t'as bien joué là et c'était pas bien. Oh mais c'était Pascal Opé ou ah ouais. C'est quoi ça? Il avait une nénoquenne à la main et du saucisson. Non mais tu. Car vraiment, il dit. T'as bien joué. La reconstruction. Et toi, tu lui as dit quoi, toi? J'ai paniqué, j'ai dit non. Non. T'as paniqué, t'as été honnête, quoi. Ouais, voilà, j'étais grave déstabilisée, mais en soi, j'aurais dit oui. Ça y est, t'aurais été mieux. Et après, il se passe quoi? Ouais, c'est quoi le problème? Ouais, parce que là, c'est Twitter, tu le termines. Même s'il n'y a pas de problème, ça me plaît. 10 minutes de clash. Il est venu clasher là. C'est rap contender. Alors, là. Des comptes à régler. Ah ouais. Ah, mais du coup, ça s'est terminé. Parce que bah, j'ai simulé, j'ai fini. Je suis taillé. Encore 40 minutes d'ailleurs, je suis déjà. Ouais. 45 minutes, aïe aïe aïe. En voiture? Ouais. Non, en vrai. Bande de piétons. Il a le seum. J'aime pas les piétons. Bah merci. Je vous hais. Je vous hais. Et donc et genre, depuis deux semaines,
J'ai plus aucune envie de coucher avec un gars, alors que d'habitude j'ai une libido explosive. Il te l'a étendu. Ah ouais, merde, t'as sorti. Ah ouais, il a pris tout ton chakra. Ouais, c'est ça. Pas de carrière. Et du coup, je me suis dit, il y a plusieurs solutions. Soit je retourne vers mon ex, mais je crois qu'il a pris le seum, parce que du coup, il m'envoie balader. D'accord. Ouais, donc lui, au revoir. Ouais, voilà. Soit il y avait d'autres plans cul, mais... Rajoute-moi sur Instagram. Rajoute-moi sur Instagram. Peut-être t'aimes les meufs, hein. Big Daddy Joke. Comment? Rajoute-moi sur Instagram, Big Daddy Joke. Mais je te suis déjà... Oh, le plug. Je vais aller fouiller. Ça, je vais fouler toutes ces meufs. Viens dans mes DM. Je vais fouler toutes ces meufs. On va faire le remake de Bonbon à la menthe. J'ai du Perrier. J'ai du Perrier. J'ai du Perrier. Et donc là, tu veux qu'on te retrouve ta libido? Ouais. J'ai des fruits, j'ai de la chantilly. En fait, j'ai tout pour toi. Viens. Ah ouais, ça se voit, elle veut là. Ça, c'est le petit sourire. Mais arrête. En fait, y'a pas besoin de proposer de solution. Ouais, la solution, elle est là. Côté, c'est validé ou pas? C'est validé. Tu lui envoies un message sur Insta, tu lui dis c'est la meuf de Radio Sex. En plus, t'as vu, elle vient elle-même, elle prend le RER. Ouais, RER. Elle livre. J'ai entendu RER, j'ai dit oui, Paname. On m'a dit tu livres. Attends, tiens, ça vient de Paname, ça. Viens sur Insta. C'est le Uber Sex. Uber Sex. RER Sex. Ah, puis sérieusement, et pour retrouver la libido, non, mais attends, quand t'es une meuf, c'est un peu... Enfin, et c'était quand l'histoire, en fait? C'était il y a longtemps ou... J'ai pas bien dit. Non, c'était il y a deux semaines. Il y a deux semaines, ouais. C'est un peu frais, quand même. Ouais, mais en gros, ça l'a dégoûté, alors que d'habitude, elle a une grosse libido, ouais, c'est ça qu'elle comprend pas. Exactement. Ouais, mais c'est que le mec, ça doit être un nulard, mon frère. Ouais, mais de la détente, ta libido. La va dépendant 10 minutes. Ouais, ouais, 10 minutes de clash intense. Parce que moi, je me dis, quand t'as eu une mauvaise expérience sexuelle, ou en tout cas, où c'était bof, limite, ça te frustre, t'as encore plus envie d'en avoir une bonne. Non, je pars pas perdant. Elle, ça l'a sorti du circuit, frère. Ça arrive, hein, des fois, je sais pas, moi, t'as déjà mangé quelque chose qui t'a dégoûté et vas-y, t'en veux plus. Ouais, peut-être le tacos en face de la gare dans chaque ville. Ah ouais, ouais, non, mais ouais, des tacos qui sont tacos. Mais en face de la gare, il est pas mangé ça. Ouais, peut-être c'est plus le moment pour toi. Tu veux faire une petite pause. Tu fais une petite pause. Ta libido, elle est déçue de toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Non, mais n'hésitez pas, s'il y a des femmes sur le hashtag qui ont eu ça, je lis. S'il y a des réponses féminines, je peux peut-être donner. Parce que là, j'avoue, pour le coup, moi perso. Redémarrer la libido, faut continuer à stimuler. On est débile, on a lâché 24 fois, tu vois. C'est incompréhensible pour nous. Y a pas de problème. On a une libido. Non, on a une libido à l'infini. Je pense qu'il faut te laisser du temps. Ouais, c'est un peu lui de faire une pause. Hein, vous avez des périodes comme ça où c'est des fois deux semaines, trois semaines. Non, nous on est né le jour de la libido. On est né le jour de la libido. La libido arrive en même temps. Je suis né, j'avais de la libido. On est né, on bandait. J'étais là, j'avais dit. Eh, Giga, on va mettre ça. Mais ça dit, qu'est-ce qui se passe? Mais qui tenait par la barre. Il t'en bat comme un. J'avais le sexe dans la bouche de la sage-femme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis né dans des conditions atroces. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon sexe dans la bouche d'une sage-femme. C'est une semaine de vacances. Non, mais sérieux, je suis né comme ça. Non, moi par contre, j'ai jamais eu de période de 2-3 mois où j'avais pas envie de cul. Genre, j'ai toujours envie de sexe. On se réveille le matin dans la barre. On se réveille le matin dans la barre. On fait la sieste, on se réveille à 17h, on a la barre. En plus, je suis en tournée, quand je suis en tournée, il y a mon gars chiche. Toujours il est en jogging. Il se réveille, il a rebat comme jamais, mais mon gars, c'est ça, nous on se réveille, on a la barre, la libido. On est né le jour de la libido. Bah ouais. On est né, si tu veux, rajoute chiche aussi sur Insta. Mais c'est chiche officiel. Parce que lui, c'est un officiel. C'est un officiel. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Lui, il a la libido, vraiment. Des fois, franchement, il y a des mecs avec la libido. Ouais. Hein. Mais laisse-toi du temps, deux semaines, c'est trop court. Non, c'est non, laisse pas de temps, va sur chiche officielle. Va sur chiche officielle. Ouais, ça arrive jamais. Moi, je dis, faut que tu redémarres ta libido. Faut la reset. Faut une bonne expérience, mais. Non, mais t'inquiète, je t'ai dit, ma chérie. Oh, je t'ai dit, t'inquiète. Mais genre, par rapport à ce qui t'excite ou quoi, y a pas moyen que tu revois ça? Genre, je sais pas, peut-être tu regardais les films porno avant, peut-être tu te touchais. Mais oui, bien sûr. Bah, t'as pas envie, genre, si tu revois des situations qui peuvent te stimuler, c'est pas quelque chose qui peut t'aider? Garde Mia Khalifa. Tu la connais? Franchement, je sais pas. C'est vrai, moi, je te donne un exemple con. Moi, je suis posé normal, j'ai pas envie. Et là, y a un truc qui m'excite, une scène, même si à la télé, même si c'est dans un film, n'importe, bah, ça peut démarrer.
Et toi, peut-être que c'est ce qu'il faut. Ouais, un starter. Ouais, mais après, j'ai regardé des pornos là. Il te fait un coup de quoi? Ah ouais, t'as regardé des pornos? Ça t'a rien fait? Ça t'a rien fait? Tu vas dans quelle catégorie? Tu vas dans quelle catégorie? Tu cliques sur quoi? Quel est ton tag? Tu cliques! Tu cliques ou tu cliques pas? Tu cliques sur quoi quand tu vas voir un porno sur internet? Dédicace à Mouloud Achour et son clip. Mia Khalifa, tu cliques? Dédicace à Sébastien Abdelhamid. Non, grave pas. Hein? John Sulo. Mia Khalifa, non. Tu cliques sur quoi? Johnny Sins, tu cliques? Comment? Et il a chaud. Bébé, elle est comme ça. On peut plus depuis tout à l'heure. BBC, tu cliques? Il a envoyé un message à lui. POV, tu cliques, cliques. Tu cliques sur BBC, mais rajoute-nous, rajoute-nous sur Insta. Si tu cliques sur BBC, rajoute-nous. Voilà, c'est minuit dans 4 heures, vous voulez pas attendre? Ouais. Non, mais. Quoi, la nuit, on parle de BBC. Voilà, à minuit, on parle de BBC. Il y a des meufs sur l'hashtag, elle dit ça, elle a dit, je la comprends tellement, il y en a, vous êtes tellement des cas qu'après, ça coupe nos envies. Pendant qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est à cause des bouffons comme ça, on se sent sur Twitter. Ah ouais, frère. En plus, il y en a, j'ai vu, il lui reproche d'avoir vanné le gars, mais le gars, c'était une arnaque. Ouais, mais ça arrive, aussi, il y a des mecs, il y a des mecs aussi, ça arrive, il y a des filles que t'es déjà parti voir, et c'est des arnaques. Moi, je trouve ta déception est légitime, et ta manière de vanner très drôle. Merci. Ouais, mais peut-être que t'aurais pas dû aller jusqu'au bout, peut-être aussi, hein, je sais pas. Ouais, c'est moche, tu peux ça t'est jamais arrivé. Non, mais en soi, il peut être moche et baisse bien, c'est ça mon... C'est vrai, c'est vrai. Ouais, comme l'inverse. Elle est chaude, hein. Elle a de la répartie. Elle connaît. Si, si, si. Ouais, mais regarde, la répartie, ça te mène ouf. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as perdu ton bet. Tu me BTT, ça. Moi, t'as parié, t'as perdu. C'est vrai. Écoutez, il a un faux sourire depuis tout à l'heure. Ouais, il est là. Non, il est là, il est là, il est là. Il a envie d'accompagner, mais il se dit, vas-y, tranquille, c'est pas mon taf. Tu veux prendre une autre chose? J'ai eu exactement la même chose, c'était affreux, et j'étais dégoûté du cul pendant un mois. Non, mais ça arrive, c'est sûr. Franchement, c'est sur des trous de balle. Ces extinctions de libido, j'ai jamais vécu ça. Même la meuf était nulle, même était. Même elle est nulle, tu dis. Même elle sentait le camembert, frère, ça a jamais éteint la machine. Donc, soit tu laisses le temps au temps, soit je pense qu'il faudrait que tu essayes de te restimuler. Il sait ce qu'il dit. Faudrait que t'essayes de te stimuler parce que moi, c'est vrai, c'est pas normal. Ouais. Moi, une meuf a été nulle 3 heures après, je suis braque sans moi. T'essayes de rattraper. T'essayes de rattraper le temps perdu. T'as passé toi avec une fille, c'est pas bon, t'essayes de rattraper le temps perdu. Je pense qu'il faut que tu recontrôles le rinté et que tu retournes. Non, mais après, le truc, c'est quoi? Je vais dire honnêtement, nous les mecs, on réfléchit beaucoup avec notre sexe. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous, les filles, vous réfléchissez avec votre cœur. Plus cerveau, ouais. Non, mais nous, on a un peu comme si les mecs, on. Ah ouais? Oh là là! Mon Insta c'est post-bas d'ivoire! Tu crois que tu vas être seul? On va tous avoir des gros comptes ce soir! Ce soir c'est chaud! Ma parole, on a 10 000 cas ce soir! Parce qu'il y a Chiche à côté, il a dit tu m'as arrangé des bails! Vraiment, il y a des DM là! Si! Insta post-bas d'ivoire, likez toutes mes photos! Likez tout! Rentrez dans les DMs! Glissez! Glissez! Slide! Bon bah. Non, je sais pas. Là, c'est tu devrais prendre des choses. Non, je pense que tu te restimules, tu retournes sur l'internet. Peut-être que c'est un gars qui va responsabilité aussi, tu vois. C'est, moi, dire, c'est une meuf, elle a pas de, elle a un passe-droit, tu vois. Ça se trouve, t'es éclaté. Hein. Bah, non, mais ça, c'est pas la question. C'est pas la question. Ouais, mon frère, non, docteur là va parler, la tête d'oie. Je te jure, même les questions, les meufs, elles sont souvent dans le délire de ouais, j'aime pas les petites bites, j'aime pas les moyennes bites et tout ça. Mais elles ont raison, elles ont des bites. Il y a des chats qui sont éclatés, gros. Non, mais elles ont des c'est mal irrigué, c'est petit. J'ai une pause de psychologue là. Il y a des chats qui. C'est un débat. Ouais, c'est. Après, je dis pas, je parle pas de toi, ma chérie. Ouais, non, il est bien, ça y est. Moi, écoute, moi je te dis, t'es plus objectif. C'est Chubrax qui parle là. Moi je te dis, pour finir ma pédoirie. Non, j'enlève la blouse là. Non, mais c'est ça, lui, elle a le droit d'avoir ses exigences, le mec, il est claqué. Moi, je suis d'accord avec Joël, je crois qu'elle a le droit d'avoir ses exigences. Une meuf, elle dit pareil, elle dit, je lui conseillerais pour l'instant de faire ses affaires toute seule le temps de plus y penser. Et à la rigueur, si t'as envie de retrouver le mojo, le faire avec une personne que tu connais et où t'es sûr que ça peut être ok. Moi, je suis sûr. Je pense aussi. Ah ouais, là je reçois des nudes là apparemment là. Non, sérieux? Ne les montre pas, c'est bon. Ah ouais, c'est quoi cette émission là? Ça va vite, là? En direct, ça va vite. Des dédis? Des dédis? Ah ouais, gros, je dédicace en live. Ah ouais, dédicace après, même s'il m'a pas trop défendu. J'ai été honnête. Il était au travail. C'est ce qu'on demande à tous nos docteurs. Ouais. Il y a le mouchoir, on fait une expertise. L'honnêteté du diagnostic. Et un bilan précis. Mais du coup, dédicace à Joker. Oh, gros bisous à toi, ma chérie. Il était énorme. Et j'étais au cabaret sauvage et ta tête, ça, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe.
Achetez la liste à toi. Courez l'acheter. Vous avez plus de l'argent sur Twitter. Il est là, la dépensez votre budget. Gros bisous à toi. Retourne sur le raté, on va voir un exemple. Remets-toi sur pied, on a besoin de toi. Remets-toi sur pied, on a tous besoin de toi. Je t'envoie un DM à Joker. Bonne soirée. Avec vas-y, bonne soirée. C'est intéressant. Putain, sérieux. Eh, moi, je savais pas que des meufs pouvaient avoir des extinctions de libido. Bah si, frère, il y a des mecs, des pieds, frère. Vous allez en parler. C'est sûr, il y a des mecs, des trous de balles, ils font n'importe quoi. Bah ouais, mais moi, comme je t'ai dit, moi, même s'il y a des meufs, des fois, elles sont nazes, moi, ça me remotive encore plus. C'est surtout quand tu baises avec quelqu'un, vous êtes deux, tu vois, c'est comme si une équipe. Ouais, ouais, c'est exactement. Si vous êtes pas connectés, c'est comme un match de tennis, tu vois. Je sais pas qu'un bon match sur les deux côtés. Tu sais comment elle parlait de l'histoire. J'avais l'impression qu'elle l'aidait pas non plus, tu vois. Ouais, ouais, elle était plus là pour finir son bail à elle, se faire plaisir à elle. Voilà, ça arrive, c'est personnel. C'est pour ça que faire juste du sexe sans sentiment, c'est dur. Tu sais, parce que des fois, tu peux être égoïste parce que la personne, tu l'aimes pas. Parce que toi, à vrai dire, t'es là pour jouir. Ouais, c'est ça, tu vois. T'es là pour jouir. Il y a beaucoup d'hommes. Que la personne en face qui ne jouisse pas, tu t'en fous des fois. C'est ça qui bloque le truc. Voilà, faut partager, faut pas être égoïste. Ah ouais, la petite phase love. Pense que non, moi je suis d'accord. Vous, ça vous arrive quand vous baisez, vous en battez les couilles de la personne, genre non. Quel kiff ou pas. Non, moi, non. Jamais. Toi, tu es Père Noël, frère. Moi, que des cadeaux. Ça fait genre d'égoïsme ou quoi. Je m'as dit, ça vous pensez ou pas. Je suis gentil, moi. Que des cadeaux. Tu vois, j'offre des cadeaux comme il offre des chaises vers ta guire. Et vous? Moi j'ai plusieurs modes. J'ai pas de lâcher. Vas-y, c'est quoi? J'ai pas de lâcher, gros. Je sais pas, il y a un mode, tu vois, gentleman. C'est fini. Qu'est-ce que ce soit. Il y a un mode, tu vois, sauvage, genre juste. Ah ouais, il y a des thèmes. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Tu vas avec le flow du queutru, tu vois. Il y a un petit pilon face. Non, mais après, c'est un mode. Est-ce que t'as un mode bas les couilles? Je pense qu'à moi. Ouais, le matin. Vas-y, le matin. Tu vois, tu te réveilles, elle est déjà en train de te sucer. Ouais. Elle veut te mettre bien dès le début de la journée. Tu dis, vas-y, je vais pas faire le bâtard. Je vais pas juste cracher. Viens, vas-y, retourne. Moi, tu vois, le matin, j'ai du mal. Le père Joël. Moi, le matin, je suis fatigué, moi. J'aime bien, mais j'aime pas. Non, le matin, c'est bien, des frais. Ouais. Non, moi, j'ai chaud avec la laine du matin. En plus, genre, j'ai lu des études, c'est mieux de le faire le matin au réveil que le soir avant de dormir. Ah ouais? De quoi, de quoi? En fait, c'est mieux de le faire le matin au réveil que le soir avant de dormir. En gros, quand tu le fais le matin, etc., derrière, t'es levé pour toute ta journée. Ouais, si, alors que vrai, le faire le soir, juste avant de dormir, etc., même par rapport à ton sommeil, c'est pas ouf. Ah, en tournée, quand je le fais le matin dans les chambres, dans toute la... je fais une meilleure concert. Ah, toujours faire de la musique, tiens. Ah ouais. Tu devrais essayer, je vais T'as besoin de backer, je sais. Ouais, on peut retourner. Je fais tes playback, hein. Tu montes à ma place sur scène. Non, non, c'est le matin, ça te met en... Ouais, je suis d'accord. Ça fait mes meilleurs shows. Ouais, frère, mais c'est exactement ça. Ça parle de faire des bails le matin. Vous, les meufs, le matin, vous êtes de la chicorée, frère. Vraiment, tu te lèves le matin et après, t'es réveillé toute la journée. La chicorée. J'aime bien avant de dormir. Vous avez vos meufs, c'est bien. Avant de dormir, on se réveille. Je suis tout seul. C'est le feu, en fait. Ouais, avant de dormir, c'est pas mal. Le mieux, c'est avant de dormir. Ah ouais, j'ai une voiture. Là, la boucle est bouclée, tout le monde rentre. Avant de dormir, même ça peut t'empêcher de fumer. Ça peut te faire arrêter de fumer. Je pense pas, mais. ce sera bien essayé de sa part. Non mais ça peut t'aider. Toi le bédodo, et ben des fois c'est. Mais t'es fou, je suis un sauvage moi pendant que truc. Ouais, non, ouais. Si, non, toi t'es un voyou. Ah, si. Non. Il n'y a plus personne là, c'est mis dans la merde. Non, si, il doit y en avoir. Bibi, il y a d'autres gens. Il reste un dernier. Arrête de tousser toi, tousseur là. Fresh, Bibi le tousseur. Dédicace à Froze. Dédicace à Froze. Les Tortues Ninja. Un gros boss. Tortues Ninja Froze. T'es là, frérot? Tu le switch, Bibi? Ouais, il est switch déjà. Ouais, normal. Alors parle, mec, là. Ah ouais. Parle, mec. J'ai même pas capté. Désolé, mon frère. Ouais, il est un peu stressé, je pense. T'es là, ouais, ça va ou quoi? Je sais pas, d'un coup, t'arrives dans le. Ah, normal. D'un coup, Bibi, t'as un coup de pied aux fesses, t'es au milieu. C'est ton moment. Ouais. Fais ce que t'as à faire, science. L'attrape par le col. Je sais pas, on te jette dans le lac comme ça. T'inquiète, t'as atterri dans le lac. Le lac de Thoun. Le lac de Thoun. Dédicace aux Suisses. Aux Suisses. Aux Suisses. Astrid Nelsia. Ma chérie. Astrid Nelsia, follow-moi sur Insta. Désolé. Astrid Nelsia, follow Joël sur... Voilà, ouais, je fais du rap, moi aussi. Moi aussi, je fais du rap. Voilà, on est tous rappeurs ce soir. Ce soir, on est tous là. Voilà. Vas-y, raconte ton histoire. Voilà, ça, présente-toi avant, désolé. Moi, c'est Mitz. J'habite dans le 93. Et... Si, pareil, voisin. Ouais, voilà, le voisin. Et je tape dans la maintenance informatique.
Ok. Aïe aïe aïe, dédicace au piéton. Qu'est-ce que ça va voir? Il est dans le même secteur. Ah, mais foot. Le grec me dédicace, ça soit un Zardoz ou quoi? Dédicace, ça précise. C'est chirurgical, mais puis les dédicaces. Ah ouais, remets les plus, tu vas voir. Ah ouais, le clic de la dédicace, tu connais. Tout est prévu. Ah ouais. Non, c'est l'union. Voilà, c'est le destin. Non, et donc, en gros, pour revenir à mon histoire, en gros, moi, je voulais faire un site de rencontre, tu vois. C'est-à-dire, okay. Je me dis, vas-y, on va aller voir ce que la concurrence a fait, tu vois. Donc, okay. Du coup, je m'inscris sur plusieurs sites, tout ça. Un jour, je me dis... Il a tellement baisé, il a lâché son projet de site de rencontre. Je suis con, moi, je veux travailler. Quoi bon? Non, non, même pas. Et donc, du coup, à un moment, je me dis, bah, vas-y, on va pas être con, on va regarder c'est quoi le meilleur site de rencontre. Maintenant, j'ouvre mon Google, je tape meilleur site de rencontre. Donc, tu blague, connais, il te rajoute des petites phrases, tu vois. C'est-à-dire, il me rajoute pour trouver un plan cul. C'est-à-dire, moi, je me dis quoi? Tiens, 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 on va allier l'utile et l'agréable, tu vois. L'utile et l'agréable. Donc, du coup, c'est le chercheur. Voilà, exactement. J'ai creusé en profondeur le sujet. Ouais, de toute façon, c'est pas pour toi, c'était pour le taf. Ah, bien sûr. Voilà, c'est pour le taf. C'est des expériences, ouais, c'est le taf. Il peut rien. Voilà, il faut tester le produit. Et donc, du coup, j'arrive sur un site libertin. Et tiens, tiens, tiens. Sur ce site, il y a deux trucs qui sont importants pour mon histoire. C'est qu'il y a un truc comme sur Facebook, tu vois, où il y a... En gros, il y a des petites miniatures des gens, de ceux qui sont en live, qui sont connectés. Qui sont connectés. Okay. Voilà. Ouais. Et c'est trié par ordre de géolocalisation. Ouais. Et il y a un autre truc, c'est que tu peux faire des lives. Comment ça, des lives? C'est Facebook, ton site. Live, comment ça, comment ça des lives? Détaille-nous. Bah comme vous, comme on stream, les gens sont en stream. On peut faire des lives genre, des lives de rencontres. Des lives sexe, les gens sont là. C'est qui le mec qui pèse sur le truc là? Y'a pas un mec qui pèse sur la plateforme? C'est qui le caméto du truc du cul? Franchement, sincèrement, c'est plus les meufs hein. Ah ouais? Les meufs, elles ont trop de succès. T'as regardé, hein, ça se voit. Ah bah oui, frère, il est... C'est pour le taf. Ah ouais, c'est pour le taf, il est allé voir. Le travail. Il a payé avec la carte du taf, l'abonnement. Grave. Jure, c'est pas vrai. Ah, mais je le connais, ton site. Même tu peux donner des tokens aux meufs, non? Non, c'est pas ça. Comment tu sais de ça, toi? Allez, boum. Il n'a pas de dégâts. T'es vachement bizarre. On m'a posé de questions. Quand on verra ça en français, les gars. À droite. Non, non, et donc une fois, je suis là, je suis sur le site, tout ça, et je vois dans les petites miniatures des gens à côté, et je vois une tête que je connais. Je sais pas, c'est pas possible, tu vois. Maintenant, je clique, je vois c'est qui, c'est mon responsable, tu vois, c'est mon chef. Ah, mais c'est pour maintenant, le taf aussi. Fallait faire une réunion pour savoir qui va sur quel site. Et je vois, en fait, lui, c'est fiche coupe. Et il est, tu vois, il y a des photos de lui, des photos de sa meuf à poil. Lui, il n'y avait pas de photos de lui à poil, tu vois. C'est-à-dire, vas-y, je calcule. Et maintenant, un autre jour, je retourne. Et tu vois, quand tu arrives à l'accueil, il y a les trois top lives. Et je vois le top live, le numéro 1, où il y avait 300 personnes, c'était lui, tu vois. Ah ouais. Bon, je clique, je vois, elle est en train de tienne sa meuf en direct, il la tape sale, tu vois, elle termine et tout. Et régulièrement, il fait des lives comme ça. Tout le temps. Et moi, le problème, c'est que tu vois, maintenant, je le croise au taf, je suis grave mal à l'aise, tu vois. Je sais pas quoi lui dire, tu vois. Sur le site, les gens, ils peuvent mettre des petits commentaires, tout ça, pour dire qu'ils se sont rencontrés. Et lui, tu vois, il est là, il arrive au taf. Ouais, ce week-end, j'étais chez quelqu'un, j'ai vu ci, tu vois. Mais moi, tu vois, je sais c'est quoi. Tu vois. J'étais chez des potes, clin d'œil. Voilà, c'est ça, tu vois. Et je sais que moi, je vois, le week-end dernier, il était là, il s'est fait attacher par des Domazo, et là il est là, il nous raconte, ouais, je suis fatigué, j'étais quelqu'un, tu vois. Ah ouais. C'est grave bizarre. Et lui, c'est ton employé, lui? Non, c'est mon boss. C'est mon boss. L'employé, il aura son boss. Ah mon gars, tu mérites une augmentation. Ah ouais. Tu vas le voir en mode, tu vas le voir en mode, je sais ce que tu fais. Je rigole, je t'ai vu. Je t'ai vu. J'ai pensé à ça, mais j'ai pas. Oh le bâtard. Parce que pour moi. Mais déjà, t'as fait une profession là. Tu prends des screens, tu lui dis, t'as eu le salaire brut. Maintenant, c'est non, le salaire net. Et net d'impôt. Et net d'impôt. Tu vois ce que t'as dit, Joël? Tu vois, quand j'ai vu son profil, réaction instantanée, je l'ai bloqué, j'ai changé ma... Ouais, tu mets une pipi manga.
Et après, je suis allé. Non, j'ai mis une photo. Mais Naruto en photo. C'est un lit et il y a écrit en fleurs, en pétales de rose, let me eat that pussy, tu vois. Ah ouais, toi, t'as faim, toi. Tu sais ce que j'aurais fait. Pour le travail. Tu sais ce que j'aurais fait, moi, comme Pépé, j'aurais mis quoi? Le logo du la société. De la société. Ah, tu mets le logo de la société. Pour le taf. En Pépé, bah, à la meilleure blague aussi. C'est terrible. En fait, c'est ça que je voulais faire, parce que tu vois, en gros, ah ouais, j'hésite à aller lui en parler. Mais tu vois, je me dis, c'est chaud d'aller lui mais en parler. Mais ça sert à quoi, c'est sa vie privée, hein. Ah, j'ai une question, t'es en CDI ou pas? Non, je suis en CDD encore. Non, tais-toi, tais-toi, faire le fou, c'est ton CDI. Fais-le si t'es par conduit. Mais que si t'es par conduit, si t'es par conduit, tu lui dis, au fait, pas mal le site. Non, non, ça sert à quoi de lui dire? En soi, ça sert à quoi? Ça sert à rien d'être conduit. Tu le fais pas chanter, mais tu lui dis, moi aussi, je suis dessus. Non, en fait, comme ça sera plus ton complice. C'est sa vie privée, ouais, hein, ça te regarde pas. C'est, hein. Bah, oui, c'est leur vie privée. Mais en fait, moi, le truc, surtout, c'est par rapport à lui, tu vois. Parce qu'on est quand même dans une boîte assez importante, on va dire. Mmh. Et lui, il monte sa tête comme ça, il se monte comme ça, tu vois. C'est accessible. C'est pas de ta faute, quoi. Donc, moi, je voulais juste, pour moi, le conseiller de faire attention, tu vois. C'est chaud. Pour ça, je me suis dit, au pire, je fais un compte, je mets la photo de la boîte, et je lui dis, fais attention. Ah, tu veux lui faire remarquer sans qu'il sache que c'est toi. Limite, si tu pouvais. Tu l'aimes bien. Ah, ouais, c'est bien, t'es gentil. Mais non, tu vas le voir en photo, tu lui dis, eh gros, fais attention, j'ai vu. Ouais, j'avoue, tu peux juste aller lui parler au pire en solo. Ouais, ouais, mais si t'oses pas le faire de peur de la gêne, tu peux faire ça. Mais de la gêne, c'est pas de la gêne. Moi, franchement, gros, si je vois un pote à moi sur un site de cul, je serais. Moi, je dis rien, je le vois. Tu me dis, ça le fout. Je screen et je monte à tous mes potes. Non, alors, my bad, je reformule parce que j'avoue, j'ai dit un pote, oui, tu peux vanner. Ton supérieur, gros. Non, moi, j'ai rien vu. Moi, ça me dit que c'est un mec des bars, tu vois. Ouais, non, tu lui dis que t'as vu. Parce que pour moi, il peut y avoir un risque que le fait que tu le saches, ça va faire qu'il va pas te reconduire. Bah non, parce que là, il y a un problème. Après avoir peur. Parce que tu vas dire, moi je l'ai juste vu dans, sur les réseaux. Tu pourras pas prouver que c'est à cause de ça qu'il t'a kick. Bah si, comme par hasard, je lui ai montré. Et non, mais ça marche pas comme ça au prix d'un gros. Moi je pense que ça marchera bien. Non, ça pourra pas marcher. De toute façon, on va pas lui donner des conseils pour faire chanter. Pour moi, ne prends même pas le. On est radio droit du travail. Non, mais plus sérieusement, pour moi, prends pas le risque de lui en parler et fais le truc discret comme t'as dit. Parce que limite, si tu pouvais lui mettre un don, je t'aurais dit de faire ça, un don anonyme en mode. Au taf, il y a des gens, ils sont au courant. J'ai au deuxième étage. Un subprime. Un subprime. Tu sais, tu lui envoies un petit prime. Non, d'ailleurs, s'il y avait don, c'est possible. Je vous ferai le truc du logo, pour moi, c'est bien. Ce B, voilà. Avec le logo, aller lui parler, genre. Ouais, on, ouais, non, comme moi, ça. Non, moi, j'aurais créé un faux compte. Ouais, faux compte avec le logo. J'écoute, Shigit, je sais que tu taffes là, arrête tes conneries. T'interférer, voilà. Tranquille. Mais la gêne, elle sera immense après. Hein ? Non, mais ça sera pas que c'est un faux compte. Mais il va transpirer. Un faux compte. Mais non, tu vas transpirer ou pas? Non, normal, après, c'est, j'avoue, c'est gênant de ouf. Bah, t'es une tapée, t'as arrêté de transpirer. Mais il va le voir, il dit, écoute, non, moi, je vois ce que t'as fait, fais attention. Ouais. Il va se prendre comme un service, tu vois. Il va se dire que c'est un bon. En fait, moi, c'est ça, tu vois. Après, le truc, c'est que, comme je te dis, on... en fait, ouais, c'est ça, j'ai pas précisé. En fait, on habite dans la même ville, lui et moi. Ouais. C'est-à-dire que, moi, c'est comme ça que j'ai vu qu'il était connecté. Ah oui, il a joué localisation, t'as vu, ouais, c'est vrai. Parce que là, c'est par géolocalisation. Je me dis, ça se trouve, moi, il m'a vu aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr. Et pourquoi t'as fait après, toi, t'étais pas dans des lives et tout. Non, jamais, j'ai pas fait de live, mais j'avais mis des photos de ma tête, tout ça, tu vois. Ah oui, mais tu l'as bloqué, non, mais on met des photos de pépé, un truc comme ça, enfin, tout très bien. Bah ouais, frère, non, mais après, c'est... Après, ouais, chacun fait ce qu'il veut, t'as capté, mais ouais, mais la tête, quand t'es en entreprise. Bah, du coup, moi, je pense que tu devrais lui parler, comme il a dit Prime, hein, directement, en bon pote, tu vois, au resto, au grec. Je t'ai vu. Tu devenais complice, ouais, il a raison. Ouais, tu vas devenir complice avec moi. Tu lui dis, je t'ai vu, je sais que tu m'as vu, vas-y, tranquille. Vas-y, vous êtes dans le même délire et tout. Parce que le délire de je lui envoie un message, c'est chelou. Il va te demander de venir faire un live avec lui, tu vois. Non, tu lui dis par contre, t'es. Ça m'a fait les mignons, au calme. Ah bah excellent. Que sont-ils devenus? Tiens. Non, ouais, je pense qu'il faut qu'il aille lui parler. Non, moi, juste à cause du risque de pas se faire reconduire à cause de ça. Ou alors attendre la fin de ton CDD pour aller lui parler. Au moins, t'auras pas de risque. Si alors toi, tu fais rien et puis après, t'attends la fin de CDD. Ouais, ouais, voilà, fais ça. T'as pas eu de soucis à cause de ça, tu vois. C'est un peu tranchant, ça peut... Au moins, il y a toujours le petit... risque. Ouais, pourquoi tu vas attendre la fin du CDD? Voilà, qui paniquent et qui veulent pas te reconduire parce que tu vois. Mais attends la fin du CDD, il te reconduit pas, tu vas pas lui dire. Et en fait, j'ai vu ton truc. Ouais, mais dans tous les cas, au moins tu sais que ce sera pas à cause de ça. Mais ça va passer pour du chantage. Pas vraiment. Ah ouais? Ouais, mais c'est bizarre. Non, tu lui dis juste. C'est... Moi, le chantage, c'est rien, si tu fais des conditions derrière, tu vois. Là, si tu lui dis juste, je suis au courant. Y a pas vraiment de après, si le gars il fait des lives, tu veux dire juste pour être bienveillant et tout? Ouais, tu dis voilà, il vient de te taire, tu vas rester au travail. Ouais, après, si le gars il fait des lives, il poste et tout, moi je pense qu'il s'en bat les couilles. J'avoue, c'est aussi un grand garçon. S'il fait des lives à 300 personnes et tout, c'est comme ça. Il commence à faire des lives. Il veut tartiner sa meuf devant la caméra. C'est une personne. Franchement, je vais lui dire. Bah ouais, il s'en fout. Ouais, c'est une page Facebook, personnage public. Non, moi je vais rester au compte. On dit pour lui dire. En fait, le truc c'est que quand tu regardes vraiment bien.
photo. Et même dans les lives, c'est plus sa meuf, je dirais, tu vois. Et genre, elle l'entraîne dans ça. Ah, ok, ok. Mais pourquoi tu continues à regarder? Tu aussi des vidéos. Tu regardes ton patron? Non, même pas. Non, si, tu regardes ton patron. T'as vu tous les lives. Ça, il se met torse nu, il touche les pecs en regardant, là. Il y a tous les épisodes. Il touche les pecs. Il était attaché. Tu connais un dossier solide. Non, non, ouais, j'avais fait un petit dossier, tranquille. Non, mais... C'est ah ouais, il a fait un intercalaire. Faut que t'ailles lui dire, faut que t'ailles lui dire. Tout ça pour transpirer quand il le voit, tu vois. Des fois, c'est logique, en fait. Soit tu le fais anonymement, soit t'attends pour moi la fin du CDD, ou alors, comme Prime, etc., t'en dis pour peut-être essayer de louer, enfin, de nier une amitié avec... Ouais. Tu lis pas une amitié, mais juste, il va dire, ah, c'est un bon. Ouais. Tu vois, il veut me mettre en garde. Le mec, ça se voit, moi, je pense, s'en bat les couilles. Je fais des lives à 300 personnes. Moi, perso, je prendrais pas le risque, mais je comprends ce qu'ils disent aussi. Ouais. Après, peut-être son délire de s'exhiber. Ouais, c'est ça. Vous, quand tu as une grosse somme d'argent, vous accepteriez ou pas? De quoi? D'être filmé. Jamais de la vie, frère. Moi, j'ai une daronne, cousin. Ouais, mon daron. J'ai daron. Ils vont me dire quoi? Ils vont me toucher l'argent, mais je vais vous garder ça. Franchement, toi, toucher l'argent, c'est sur les familles. C'est sur ta famille. Ouais, c'est sur ta famille. Je fais ça, frère. Tu vas finir sur Twitter. J'aurais sur le hashtag. Dites les gars ou peut-être les meufs, qui sont aussi les meufs, pour combien vous accepteriez de faire une sextape? Pour combien? Sur le hashtag, juste répondez. Hey, la, dites, la ouais, somme dites, pour ceux on qui va sont voir ça OK. Tout de suite. Moi, je suis public, on est d'accord. Et rajoutez-moi sur l'hashtag, sur l'hashtag. Et rajoutez-moi sur Insta Big Daddy Jock pour faire la sextape. C'est avec moi. C'est avec moi que se passe la sextape. Il y a des gars, ils vont t'ajouter, tu vas voir. Non. Toi aussi, tu vas transpirer. Ouais, non. Il va désactiver. On va tout rompre. Non, non, s'il y a une sextape à faire, je suis là. Je suis là. Il balance vraiment l'annonce pour de vrai, genre. Ouais, je suis là, Big Daddy Jock sur Instagram. Il a dit, je vais faire un son, il a fait un son. Là, t'inquiète. Il fait peur. Hein. Envoyez, envoyez. Non, mais bon, après voilà, moi c'est sur non, tout dis-lui, ça. Non, mais dis-lui, fais c'est pas rien. De chantage, moi pour moi fais pas de ouais, chantage. Pas de chantage. Que... C'est pas mais bon, non, c'est non, bien, chantage, mais non, c'est pas cool. Fais ta vie, frère. Ouais, fais ta vie. Par contre, moi, tu sais, il y a rien sur lui. Vois, c'est à cause de... Serre-lui la main après. Je te pec. Et vas-y, tranquille. Comme ça, mon patron, bouquet, bouquet. Tu lui serres la main, patron. C'est un coup, il explose. Calme. Calme. Comment ça regarde tous ces lives? T'es bizarre, toi. Il regarde tous les lives, c'est son patron. Il a pas fou le son. Il va te réaliser ça, ouais. Il voit en ligne, il fait tiens. Et tu vois, il y a la notif. La notif quand ça part en live, tu reçois sur ton téléphone. Ouais. Ouais. Le patron est parti en live. Oh. Non, mais dis-lui. Dis-lui, ouais. Mais t'as regardé combien de lives? Non, en fait, j'ai vu le premier live. Combien de lives t'as vu? Après, tu vois quand il est en live, mais j'ai pas regardé, tu vois. Donc t'as activé la cloche. Non, 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 je te dis, quand tu vas sur la page d'accueil de Justit. Tu vois, c'est, il est toujours dans le top 3 ça. Ah, c'est un mec qui pèse là. Ah ouais, c'est, ah ouais. C'est le caméto du game. C'est un streamer. Voilà, c'est un streamer. Vrai, c'est pas mal, tu vois. Il y a un gars, il a dit 100 000 euros, j'en ai rien à foutre, ça peut faire des méga zooms sur moi. 100 000 euros, c'est pas beaucoup 100 000 euros. Ouais, pour toi. Ouais, non, mais pour un truc vous avez vu où il va la chou. Ils servent à ce mec à dire que 100 000 euros, c'est pas beaucoup. Non, 100 000 euros, 100 000 euros pour la honte. C'est ça, c'est la honte. La honte, ça coûte pas 100 000 euros, la honte. Et 100K et une cagoule, on te reconnaît pas. Vas-y. Ah ouais, mais après, on est, on dit, moi, j'ai des tatouages. Moi, j'ai des tatouages. 100K, t'as une cagoule, on te reconnaît pas. Vas-y, je mets la combi en la tête. Je mets la combi en la tête. Je vous montre où t'es à la tête. Je suis dedans. Un million d'euros, tu le fais? Un million d'euros? 100 cagoules. Ah, 100 cagoules. 100 cagoules, ouais, reconnaissable. Moi, je peux pas. Je peux pas. 100 000 balles cagoule. 1 million. Ah, moi je fais 1 million d'euros, cagoule. 10 millions, 10 millions, tu fais 10 millions. Cagoule, j'en reviens pas, mais en plus, j'ai pas de tatouage. 100 000 euros, cagoule, je suis 6 boys. J'ai une carrière à la 6 boys. Je m'en bats les couilles. 100 000 euros, je suis 6 boys. Ah ouais, dites des fourrailles toutes. Tout. Je suis tout marabout, ils vous ouvrent sur mon tarpé, je m'en bats les couilles. Qui va dire c'est moi, bon. Personne sait que c'est moi. Je m'en fous. Le mec qui me dit, ouais, je t'ai vu, je dis, est-ce que j'ai une carte dentée dans les mains? Il va nier ce qu'elle a fait. 6 balles pour 100 000 euros. Un million d'euros cagoule, j'y vais. Moi, en plus, j'ai pas cagoule. Moi, j'ai pas de signe distinctif à part un gros ventre, mais t'en trouves partout, frère. Ouais, en aucun plus, problème. Ouais. Cagoule, frère. Aucun problème. Et vous, les gars, vous répondez pas, les gars, 100 000 euros, cagoule. Non. Non, non. Un million, un million, un million. Sur son compte, un million. Non, franchement, je pense pas. Un million. Avec la cagoule. Ouais, un million avec cagoule. Gratuit. Gratuit avec cagoule. Gratuit.
Et ah ouais, ouais. Même Chichi. Ah ouais, c'est un hardeur. Chichi, il a dit gratuit sans cagoule. Chichi officiel. Chichi officiel, c'est un million avec cagoule. Il a dit gratuit sans cagoule. Un million avec cagoule. Avec cagoule, tout. Frère, on ne reconnaît pas. Moi, je dis Zakarasi Boy. Je fume tout. Moi, je fume tout. Cagoule, allez. Tiens, mon collègue. Il y a un mec qui dit c'est toi. Il dit non, c'est pas moi. Ouais, pour le délire. Et tu vas le prouver comment, frère? Ouais, il mentionne. Je fais comme si j'ai pas vu le tweet. Il masque le tweet. Moi, je le bloque. Une bonne femme à trois têtes. Ah ouais gros, avec des gros bzaises là. Ah ouais. Alors là mon gars. C'est fou comment c'est éloigné du poteau. Ça va ouais, ou quoi? T'es là ou quoi? Ah, j'étais là. Non, on parlait de T-Boy tout ça là. Alors que le rappeur du soir c'est Joker. Non, T-Boy c'est la famille, ça bouge pas. Toi tu serais capable toi de le faire toi pour 100 000 euros? Franchement ça dépend. Si derrière je récolte de l'argent encore. Oui. Ah ouais, mais attends, mais encore, ça veut dire mec veut lancer carrière derrière. Ah ouais. Tant qu'à faire une sextape, autant que ça va s'arrêter. Il y a une meuf sur le hashtag, elle a dit 3 euros, c'est la seule qui a eu des RT, Fab. Hein. 3 euros 3 euros non, elle a dit 2,99€, elle fait le film de. Ah ouais, ouais. 2,99€, juste elle paye le lubrifiant. Ah ouais. Comment ça, elle a dit, elle veut faire une carrière? Un triple cheese, ta cagoule, toi. Eh, viens cagouler. Vas-y, pour petite conclusion sur le poteau, là. Ouais, du rien, comme on l'a dit tout à l'heure. Achète une cagoule. Ouais, je t'en bats les couilles. Achète une cagoule. Continue à te branler sur lui ou ta cagoule. Si tu te sens de lui dire, dis-lui, sinon... Non, continue à te branler sur sa femme. Et serre-lui la main le lendemain. Et souris quoi, quand il est à côté des mythos lundi. C'est ça. Tu vois, il a fait l'escalade le lundi matin. T'es fatigué, hein. Ouais, essaye de creuser pour ta place. Qu'est-ce que t'as fait, sportif ce week-end? Ah, c'est ça, je te jure, c'est ça. Mens-lui, comme il te ment. C'est ça. Après, je sais pas si... Hein? Ton micro a coupé, frérot. C'est un problème de riche, là. Le patron qui bloque, là. Non, je disais, je sais pas s'il a grillé que j'étais... Même s'il a grillé, on s'en va. Ouais, on s'en fout, on fait ta vie. C'est son gars. C'est ça, ouais. T'es devenu son gars. Dis-toi dans ta tête que s'il t'a vu là aujourd'hui là-bas, c'est que lui dans sa tête, il se dit, lui c'est susceptible d'être mon poteau. Je sais pas comment t'expliquer, tu t'en fous, gros. Même sorte d'intérêt. Ouais, vous êtes dans les mêmes délires. Vous êtes dans les mêmes délires. Après toi c'était pour le taf, hein, on rappelle. Mais oui bien sûr. Mais oui bien sûr. On rappelle que c'était pour le taf. Ouais non, y'a pas mort d'homme. Je voulais monter un truc. Professionnalisme. Et pas... ça en est où alors ton projet au final? Ouais, je crois qu'ils sont. Ouais, c'est vrai. Ouais, ton site là. Ah, ton site là. Lui, il a fait que de baiser ce bâtard. Il a fait que de regarder son patron, il a pas développé. Non, parce que non, les meufs, elles parlent pas chinois, c'est ça qui est. Eh, ton site, on t'a demandé. Non, mais ton site. Ton site à non, toi. Non, non, ouais. Bah là, j'ai toutes les idées maintenant, il manque juste un mec qui pro. Bah, ton patron? Faire. Non. Oh là là, le sniper. Non, c'est simple. Crossover. Vas-y, hein, balance des dédicaces, frérot. Qu'est-ce vas-y, que tu dis? Vas-y, dédicace, c'est... Moment, hein. Et donne pas le nom de ta boîte. Non, t'inquiète. Dédicace à vous tous, déjà. Oh, merci. Pense à nous, c'est dédicace. Vous aidez les gens ils dédicacent pas, ils sont ingrats. Ah, Ça là, ton site, il marche. Ouais, j'espère que ça marche. Merci, ça fait plaisir. Sinon, j'aurais dit qu'il marche pas. Hey, quand t'as les idées, frérot, dis-nous, hein, comme ça, on peut investir un peu. Ah, ouais. On va se connecter. On va tout on veut se placer. On va se connecter, t'inquiète. Si tu veux de la pub pour ton site, les UB. L'advertisement. Vas-y, dédicace, bro. Dédicace à Ayas aussi. Dédicace à sa calvitie. Dédicace à Patrick Ademo. Est-ce que c'est possible qu'on a joué quand au club? Comment ça? Dédicace à Carnage. Après, dédicace à Anosès, celui qui m'a fait connaître en fait Radio Sex. Nice. C'est lui. C'est même lui carrément. Il m'a. Partout, bref. Voilà, parlez-en à vos amis de la radio. Ah ouais. Voilà, c'est partout, ça. Partout. À la récréation, à la cafétéria. Partout, Spotify, à ta mamie. Deezer. Voilà, je vais balancer ça au taf. Orageux de Twitter. Il aura du tout. Dédicace à CLK, à la Special K. Dédicace à Original MM le 7-2. C'est des codes Wi-Fi, des trucs là. Dédicace à Mizank. Et dédicace à la Elicite Squad. Eskimo, des mêmes. Et Trafalgar, c'est plan bizarre. Vas-y. Mais vraiment, bah, c'est un dossier de on dirait un dossier de SNCF. Bon, vas-y, bonne soirée, frérot. Vas-y, mon gars. Ah, merci à et vous, si tu veux repasser pour nous dire ce qui s'est passé, n'hésite pas. Pour l'édition, que sont-ils devenus? L'édition, que sont-ils devenus, elle va être trop marrante. Elle va être trop drôle. Vas-y, frérot.
Bon bah c'est bon. C'était le dernier. C'était le dernier. On a fait le quart d'heure qu'on avait bouffé au début. Ah ouais, la masterclass. Ah ouais, c'était lourd. Et là on a un truc de prévu ce soir. Si on peut pas partir, c'est pas fini. C'est pas fini. Juste avant. Il y a quelqu'un qui t'a fait toute la semaine. Attends, il y a Moustachio. Juste avant, ouais, il y a le concours toujours sur Twitter pour les albums, les t-shirts, les casquettes et tout. Les ouais, je le rappelle vite. Parce qu'on a nos réseaux, le Twitter Radio Sexe FR, le Facebook. Hey, tout ça. Mon tweet est épinglé. Le Insta. Mon tweet est épinglé. L'album Joker, courez l'acheter, courez consommer. John Travolta. John Travolta, allez acheter. Il y a le merch, il y a tout. Il y a tout, les gars. Il y a tout. Il y a même un bus avec son blaze dessus. Ouais, j'ai vu. On l'a vu passer. Ah, il a explosé en fait. Hein. Vous rigolez. Il a explosé. Il a dit non. Non, il a dit non. Pour un film de boules, c'est pas. Moi, je pense que c'est pas. Ah, c'est pas rentable. Et la dernière surprise de la soirée, du coup, la masterclass de Joël. Même nous, on est pas. Tu l'as vu, il était en train de la préparer. En gros, Joël, il a taffé toute la semaine. Ah, gros, tu te rappelles sur Discord, il a dit le game des dédicaces va être rélevé. Va évolutionner. Il ne sera plus jamais pareil. Ça sera plus jamais pareil. Là, j'ai mis. Tu vois, la dédicace d'habitude, c'est là. Là, je l'ai mis là. Et après, je vais le mettre là. Ah, il est chaud, il a dédié là de l'ambition. J'ai de la suite dans les idées, comme ils disent. Bon, bah, du coup, je crois qu'on va regarder la vidéo. On va vous mettre ça. Et on fera le mot de la fin. Après, on fera un petit mot de la fin. C'est ça. Habituellement, attends, il sort de papyrus. Dédicace à tout la présélection. Dédicace à Bifresh. Rose. Bah ouais. Diego, on déteste. Contraste Kratos. Dédicace à Yassia. Dédicace à Ben. Dédicace à Damien Muscudi. Dédicace à qui est là. Dédicace à Alex le piéton. Dédicace à il y a dédicace pour Alex le piéton et Damien Muscudi. Ce n'est pas terminé, ça arrive. Avec une dédicace très spéciale. Vas-y, photo les gars, la photo. Vas-y, balancez la photo les gars, la photo. Dédicace à Skev Gaming. Oh, vous avez ça. C'est parti la vidéo. Alex le piéton! Il tient voler la feuille! Wesh, c'est quoi ça, bro? C'est moi, bro! T'es chaud, gars! Là, c'est le gars, fait ça! Qu'est-ce que vous croyez, le mec? Ah ouais! Mais ça, c'est des conneries, vous allez voir, c'est lourd! C'est pour ça que t'es vieux, t'as eu le temps en fait! Attends! On a déjà le vocabulaire! Ce soir, j'espère que c'est un ou voilà! Sniff! La santé! La chimie! Ouais! Ça commence bien, bouge un peu là. Chaud, chaud. Du sexe, du sexe. Masterclass. Ah ouais, wow. C'est la réunion. Vas-y, c'est la réunion. Prends sa moustache. Je cravole ta partout. Aïe, 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 aïe. Très bien, voilà, il est trop fort, il est incroyable. Avec le piéton. Pardon pour l'interruption. Wesh. Wesh, c'est trop beau. Mais voilà, il est trop beau. Le crack, le god de la dédicace. Je prends mon vélo. Allez, on y va. Petit gros fou. Petit gros fou. On s'y fait pas de marque. Pas de pub. Ah, c'est trop clair là. C'est Kamel en vélo. Je vais chercher Joël. Ah, lui. Ah non, c'est la télé qui est trop claire. Elle cycliste. Surveille les présélections. Ah. Je vais plus. Mais t'es trop fort. T'es une histoire, genre. Hey, il est incroyable. Ah, voilà. Gros, on était sur Discord, tu sais. Attends, regarde, là, c'est. Je tape. Dédicace à que France 7-8. Qui aime les Lady Boy. Dédicace à Yass. Yass sa calvitie. C'est Yass. C'est Yass. Ah, il a mis le calvitie. Ah, calvi. Faites qui fraîche, faites Damien Muscudi. Voilà. Attends, mais il y avait une grosse calvasse. C'est qui le Renoir? Rajo, je fais ses copains. Vous entêtez, me rend fou de faire ça. Non, voilà, il est trop fort. Attends, 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 fort, c'est lui. Alors, finissons-en. Oh là là. Regarde, regarde, regarde. Rage de Twitter sauvage à Paris. Tiens, 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 tiens. Rim job. Il a lancé attaque Nunu, y'a pas de meuf. L'attaque Nunu, y'a pas de meuf. Super efficace. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est l'alchimie. Oh, il est trop chaud. Il est trop fort, sérieux. Non, voilà, c'est trop. Je t'ai dit, masterclass. L'attaque Chibre Kelly revient trop puissante. Ah, t'es trop fort. Chibrax des ténèbres. J'ai fait un truc de la fusion. Ah ouais, gros.
Pierre, tu la one shot. Ah, ça va, one shot. C'est super efficace. C'est sur la tous les rageux de Twitter. Je la vois le rageux. 4 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 Oh, il a mis toutes les musiques et tout, il est trop fort. Arrête, t'es trop fort. Qu'est-ce que vous croyez? On va regarder le chat. Ah, Alex le piéton, en plus tu l'as mis, il marche tout doucement. T'as vu, il a sa queue de cheval et tout. On peut commencer les dédicaces. Kevin le Zaïrois, Kevin de Madrid, Alban l'Albanais. Tu vas pas tous les faire, moi. Alors, générique. Oh. Il a poussé le game, il est là, il l'avait annoncé. Ah mais il y a des génériques de fou et tout genre. Oh là 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 là. C'est il a mis les... tout le monde Konami France. Ah, des moches. Franchement merci à tout le monde, les viewers, tout le monde. Merci à tous les gars. Yes, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est incroyable. Merci Radio Encore 5 une pour fois, tout l'amour que vous m'avez donné. Merci, Joël. On se retrouve la semaine prochaine. Radio Sex. Venez. La régie, venez. Dédicace à Bibi, dédicace à Frost, dédicace à tous les tous ceux qui nous la régie. Les concerts sont les allez, stream l'album, concours sur Twitter. Vive Carnage. Vive Carnage dans le chat. Vive Carnage. Sois Bibi. Le tout-seul. Allez choper Jock Travolta. C'est disponible. Streamez ça. On veut voir le générique, juste on veut voir ce qui est écrit. Hey, ils sont bons les mecs qui jouent à PES. Regarde Kylian Istrez. Standing ovation les mecs. Bravo. Il a poussé le game. Il a dit le game, il est là. Il l'avait annoncé. Ah mais il y a des génériques de fou et tout genre. Oh là 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 là. Il a mis tout le monde Konami France. Des moches. Franchement merci à tout le monde, les viewers, tout le monde. Merci à tous les gars. Yes, merci. Merci Radio Sex pour tout l'amour que vous m'avez donné. C'est la deuxième fois qu'il y a un frère. On se retrouve la semaine prochaine.